nous allons, et par la grâce de Dieu, passer un moment béni ensemble avec nos bien-aimés frères et sœurs d'amour qui nous aimons dans le Seigneur. Comme je vous le dis souvent, je vous aime et que je suis condamné à vous aimer. Et j'aime quand je vous aime, parce que quand je vous aime, je me sens disciple. Comme disons Jean 13, 34, 35, si vous vous aimez les uns les autres, à cela, ils reconnaîtront que vous êtes vraiment mes disciples. Donc ce n'est pas de le dire dans la bouche seulement, mais il nous faut les actions pour montrer que nous nous aimons les uns les autres. Et c'est notre objectif, c'est notre mission. Et nous devons nous aimer pour prouver que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Si les gens du monde, les païens, ne remarquent pas l'amour qui dégage entre nous, ils ne pourront jamais nous identifier en tant que disciples de Jésus-Christ. Alors n'oubliez pas, nous avons l'obligation de nous aimer, d'être amoureux les uns des autres dans la parole, par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, moi, il y a un qui montait, qui est un homme exactement, je ne sais pas, Alors, bienvenue sur Fondement, bienvenue, soyez la bienvenue. Alors, avant de commencer, je veux en être sûr que notre frère bien-aimé est bien là. Alors, bien-aimé sœur Aurélie, ainsi que son mari, donc ce sont nos inviteurs pour ce soir, qui vont pouvoir nous questionner, poser des questions et que nous allons détailler la parole de Dieu pour la lumière éclatante, explosante pour ces bien-aimés, et que vous allez être bénis à nouveau, puisque ce sont des enseignements que nous avons déjà faits, que vous avez connus déjà, que vous connaissez très bien, que vous maîtrisez. Maintenant, vous allez encore maîtriser ces enseignements mieux encore, puisque nous allons réviser, disons, pour vous, mais plutôt pour les autres, nous allons reprendre ses enseignements. Donc, bien-aimés sœurs, Aurélie et son mari, est-ce que vous êtes là? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est notre bien-aimé frère Samuel, c'est ça? La sœur Aurélie est un peu occupée, c'est pour ça. D'accord, c'est notre bien-aimé frère Samuel, c'est lui qui est là. Donc, bienvenue sur notre plateforme et Zoom, dans 100% âme, disons, sur le fondement des apôtres, 100% évangélique, c'est l'émission qu'on fait. Mais le plateforme Zoom, c'est le plateforme de le fondement des apôtres. Donc, là, c'est ce que nous, c'est là où nous examinons le fondement en toute tranquillité, en privé, avec les bien-aimés frères et sœurs. Mais de fait, nous laissons d'autres bien-aimés participer, surtout ceux qui veulent apprendre et comprendre et nous questionner de plus près. Alors, nous avons en principe, c'est que nous aimons laisser la parole répondre à des questions posées. Parce que comme on dit souvent, puisque la parole, c'est la parole, ça s'appelle déjà la parole. Donc, quand on questionne la parole, donc la parole peut répondre. Parce que c'est la parole. Donc, il faut juste laisser parler la parole, afin que les yeux puissent être ouverts par la véritable lumière, par la vérité véritable. Amen. Donc, alors, ce soir, nous allons... Alors, laissez-moi te laisser te présenter, mon bien-aimé frère, avant même de commencer, mon bien-aimé frère et soeur. Donc, mes bien-aimés, je vous présente notre bien-aimé frère Samuel, bien que son épouse est un peu occupée, mais c'est comme si elle était là aussi. Donc, je vous le présente. Il va vous présenter, il va se présenter à vous. Bienvenue, notre frère. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée.
moi aussi, dans la maison de Dieu. Moi, c'est le frère Samuel, et j'ai rencontré notre frère en Christ parce que il y a quelques jours de cela. Et je lui ai juste posé une question qui m'a un peu intrigué, parce que actuellement je suis dans une église qui s'appelle la Mission Bethany. Mais là-bas, en fait, tous les mois, on grosso modo, on accentue plus la lumière sur tout ce qui est offrande et surtout la dîme. Donc, je lui ai juste posé une question et sa question, sa réponse m'a vraiment, en fait, ça a tout comblé. Puisqu'il m'a fait comprendre que la dîme n'était pas une obligation et n'était pas biblique. Chose qu'on nous dit à chaque fois. Et donc, sa réponse vraiment m'a un peu intrigué. J'en ai parlé avec ma compagne. On en a débattu pendant longuement. Et justement, j'ai demandé au frère d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur d'autres paroles, puisque d'une église à une autre, on dirait que ça divère. Mais ce qui m'a vraiment rassuré et m'a encouragé à me connecter et à suivre ses enseignements, c'est surtout que tout ce qu'il m'a dit, en fait, il a mis les preuves à l'appui dans la Bible. Il m'a fait comprendre que seule la Bible peut nous répondre, et toutes ces réponses avaient une cohésion et surtout une cohérence. Et je me suis vraiment posé beaucoup de questions, puisque depuis des années, on fait la dîme, depuis des années, on donne notre argent, mais à ce que je vois, le pasteur et sa compagnie, ils sont bien habillés, de mois en mois, ça s'améliore, alors que nous, on est en train de se soucier de comment finir les fins de mois. Pardon. Comment finir les fins de mois, calculer les moindres centimes qui restent. Et à chaque fois, on doit donner 10%, c'est-à-dire si on touche 3000, c'est 300, ainsi de suite. Et donc, moi et ma compagne, vraiment, on s'est posé beaucoup de questions. Elle a dit, mais tout cet argent qu'on a donné comme une obligation, en plus de tout ce qui est offrande des compagnies, on aurait pu même acheter une voiture, en fait. Et donc, voilà, c'est pour cela, en fait, j'ai pu suivre les enseignements de notre grand frère et en savoir un peu plus sur les enseignements qu'il prodigue. Et voilà, quoi, en fait. Sinon, moi, je suis conducteur de travaux, je travaille à Paris. Et donc, voilà, je suis vraiment très, très, très heureux de me connecter ce soir. Et j'ai envie de vraiment suivre les cours et d'être assidu et surtout d'apprendre, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de questions que je me pose, et surtout par rapport à sa réponse de la dernière fois, ça a tout chamboulé, en fait, dans beaucoup de choses. Amen. Donc, soyez le bienvenu, bien-aimé frère Samuel. Merci. Les bien-aimés, au nom de tous les bien-aimés qui sont là, qui sont des bien-aimés d'amour, puisque nous sommes une famille d'amour, et nous témoignons l'amour et portons l'amour à nos bien-aimés frères et sœurs qui arrivent, non seulement ceux qui arrivent, mais ceux qui sont déjà là, puisque nous sommes disciples de Jésus-Christ. Donc, alors, il y a une petite explication, tout simple. Alors, la dîme est biblique, mais elle n'est pas évangélique. Donc, il y a une différence entre quand un thème ou bien un point est biblique et que ce point n'est pas évangélique, et quand c'est évangélique et c'est biblique en même temps. Par exemple, que les femmes se taisent dans les assemblées, c'est un point qui est biblique et qui est évangélique. Donc cela veut dire que vous soyez dans le premier contrat ou le nouveau contrat, donc le second contrat, c'est la même chose. Les femmes doivent se taire pour écouter l'instruction. Donc elles n'ont pas le droit d'interroger quelqu'un pendant l'instruction. Donc ça, c'est ce que dit la parole. C'était dans la loi, c'est dans la grâce. C'est biblique, c'est évangélique. Mais pour la dîme, c'est que c'est biblique, ce n'est pas évangélique. C'était la loi, donc ça fait partie de la loi de la mort et du péché de Romains 8, le verset 2. Donc la loi de la mort et du péché, nous avons été affranchis de cette loi-là. Donc nous avons la loi de l'esprit de vie. Parce que lorsque la Bible dit que tout est accompli en fonction de la loi,
Donc, c'est quelle loi? Parce qu'il faut poser la question. Parce que les gens disent souvent, nous ne sommes plus sous la loi. Oui, vous n'êtes plus sous la loi. Mais quand vous avez péché, comment le savez-vous? Parce qu'il faut qu'il y ait une loi pour que vous puissiez savoir que vous avez péché. Donc, si vous n'êtes plus sous la loi, donc cela veut dire il n'y a plus de péché, plus de règles, plus rien du tout. Or, si il y a de loi, c'est qu'il y a de violation. Et s'il y a de violation, il faut qu'il y ait une loi pour me faire savoir que je suis en pleine violation. Donc, autrement, je ne le saurais pas. Donc, c'est pour cela qu'il faut préciser. Je ne suis pas sous la loi de la mort et du péché, à savoir la loi de Moïse, donc la loi cérémonielle, ce qui a rapport aux cérémonies, toutes les bêtes qu'il fallait brûler, les sangs qu'il fallait couler, tout ça. Donc, cela fait partie de la loi cérémonielle. La raison pour laquelle, parmi les 10 commandements, vous avez trouvé 9 commandements dans la grâce. Il n'y a qu'un seul commandement que vous ne trouvez pas. C'est le 4e commandement. Pourquoi on ne trouve pas le 4e commandement dans la grâce? C'est parce que le 4e commandement a été changé. Dieu a fixé un nouveau jour. Parce que le 4e commandement, c'est le jour du sabbat. Puisque Dieu fixe de nouveau un jour, Hébreux 4:7, Hébreux 4:8. Donc c'est pour cela que Dieu ne parle plus du premier jour, c'est-à-dire du sabbat, le jour du sabbat, du 7e jour, je veux dire. Mais Dieu fixe de nouveau un jour, Hébreux 4:7, aujourd'hui. Donc autant qu'on est aujourd'hui, on peut dire c'est chaque jour, comme sur le fondement des apôtres, Actes 2:46. Acte 7:42. Donc c'est chaque jour que l'église de Jésus-Christ doit se réunir. Pourtant, dans la loi, c'était le 7e jour, selon la loi. Mais l'église de Jésus fixe de nouveau. Donc Dieu fixe de nouveau. C'est pour cela, dans Hébreux 4:8, il dit, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ce qui fait que s'il parle d'un autre jour, un nouveau jour, c'est qu'il y avait un jour qu'on avait parlé déjà. Donc, c'est-à-dire que c'était le 7e jour. Maintenant, Dieu fixe de nouveau, on n'a plus le 7e jour. Hein? Hébreux 3:12-13, on a chaque jour maintenant. OK? C'était pour faire l'introduction. Okay. OK. Alors, la question de notre bien-aimé frère Samuel, c'est sur la dîme. Alors, comme vous venez d'expliquer tout à l'heure, à la fin du mois, beaucoup de bien-aimés se retrouvent dans la galère parce que tout ce qu'ils ont travaillé, après avoir payé les factures et tout, ils doivent prélever 10% de leur revenu ou leur salaire chaque mois, disent le pasteur traditionnel. Chaque mois. Tout à fait. Donc, c'est une phrase inventée. Écoutez bien ce qu'ils disent dans les églises traditionnelles. Il faut donner 10% de ses revenus ou de son salaire chaque mois. Et ces pasteurs traditionnels disent que c'est Dieu qui demande ça, c'est la Bible, c'est écrit. Et quand vous les demandez, mais c'est la Bible, c'est écrit, c'est dans quelle Bible? C'est écrit où? C'est parce que traditionnels, qui sont eux-mêmes des voleurs, des escrocs, des brigands, selon Jean 10, le verset 1er, parce que je vais essayer de donner les textes à tout ce que je dis, ce sont des gens, des voleurs, des brigands, selon Jean 10, verset 1er. C'est pour cela qu'ils inventent des choses pour pouvoir escroquer des gens. Mais lorsque vous allez vous-même prendre votre Bible et lire votre Bible, regarder votre Bible, vous allez voir, c'est complètement différent. Et vous allez vous dire, mais je faisais quoi dans cet endroit? Comment j'ai été aussi idiot, aussi ignorant? Mais moi, des fois, je me suis dit, mais attends, les gens de l'église traditionnelle nous faisaient faire des choses. Nous faisons quoi? Des choses qui
qui n'avait rien à voir à la Bible, mais nous avons obéi comme des moutons, comme des zombies. C'est pour cela que j'appelle la plupart des gens des zombies. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui disent amen à tout et n'importe quoi. Pourtant, nous avons dans Acte 17 l'exemple des chrétiens de Bérée qui vérifiaient, examinaient ce que disait l'apôtre. Et c'est pour cela que je dis, ne dites pas amen à tout ce que je vous dis. Si vous n'avez pas vérifié dans votre Bible ce que je vous dis, c'est écrit, c'est biblique. Parce que les « je pense que je crois que mais bon et vous savez », gardez tout cela pour vous. Je veux savoir ce que dit la Bible. Et nous allons découvrir, regarder ce que dit la Bible. Est-ce que c'est biblique ou c'est évangélique qu'il faut apporter tous les mois un dixième de son salaire ou de ses revenus au pasteur ou à l'église? Et comme je disais tout à l'heure, quand vous leur demandez c'est quel verset, c'est dans quelle Bible, il vous donne Malachie 3:10. Alors nous allons, je vais projeter Malachie 3:10 pour les bien-aimés qui sont en face de moi, mais vous qui me regardez sur Facebook ou TikTok, vous allez plutôt regarder dans votre Bible directement. Malachie 3:10. Parce que c'est ce texte-là que ce pasteur donne pour vous égorger, vous disant que vous avez volé Dieu, vous volez Dieu, vous ne payez pas votre dîme, vous ne donnez pas un dixième de votre salaire ou de vos revenus, vous n'allez pas être béni. Mais franchement, comment vous pouvez arriver à un niveau aussi grave d'ignorance, un état d'ignorance démentielle? Donc, franchement, bien-aimé, au moins regardez le texte, regardez le verset. Est-ce qu'il est écrit un dixième de votre salaire ou de vos revenus chaque mois? C'est écrit où? Malachie 3, le verset 10. Regardons. Je vous mets Malachie 3, 10. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder mon écran, vous allez utiliser votre Bible directement. Alors, Malachie 3, 10. Ça nous dit quoi? Malachie. Allons voir Malachie. Ok, le chapitre 3, ok. Mais avant d'arriver dans le verset 10, il nous faut comprendre le contexte quand même. Parce que le contexte n'est pas dans leurs intérêts. Même quand j'allais directement dans Malachie 3, 10, je les aurais égorgés avec ça. Mais comme automatiquement, nous voulons être clairs pour que les gens ne disent pas, ouais, mais il ne lit pas tel verset ou tel verset, nous allons comprendre le contexte pour arriver à Malachie 3:10. Et vous allez voir que ce que les pasteurs disent là, d'apporter tous les mois là, ça n'existe pas. Et j'attends et je mets en défi, quel que l'on soit, un pasteur de l'église traditionnelle qui se dit pasteur, de venir refuter ce que je vais expliquer à la lumière de la parole. Comme je le dis souvent, la doctrine est littérale. On n'a pas besoin d'explication pour la doctrine. Parce que je ne suis pas en train d'enseigner dans la révélation, dans la prophétie ou dans la connaissance. Je suis juste dans la doctrine. C'est littéral. On n'a pas besoin d'interprétation dans l'hébreu, dans le grec, il est dit. Oui, selon l'exégèse, selon l'herméneutique. Mon ami, gardez tous ces thèmes théologiques-là. Parce que nous sommes dans la doctrine, c'est littéral. Et c'est là, c'est en français. Si vous ne comprenez pas français, vous avez votre langue maternelle. Je crois que c'est traduit dans votre langue maternelle. Vous lisez dans votre langue maternelle et vous allez voir ce que je suis en train de dire en français. C'est la même chose que vous allez recevoir là où vous lisez. Allons-y dans Malachie 3, puisque c'est la base des faux pasteurs, des églises traditionnelles, les escrocs. C'est là leur base, c'est là leurs âmes pour égorger les gens. Donc nous allons voir, est-ce que effectivement, ce qu'ils disent là, la Bible a dit ça, la Bible a dit, est-ce que c'est exactement ce qui est écrit sur, comment dire, dans la parole de Dieu? Et vous allez vérifier par vous-même, mes bien-aimés frères et sœurs, et c'est vous qui allez choisir par vous-même. Je ne vais pas vous forcer, vous êtes des adultes, nous allons lire comme des adultes. Parce qu'il y a savoir lire de manière spirituelle et lire comme vous lisez un bouquin, un roman, ensuite la compréhension après.
Donc, nous devons lire par révélation, tout simplement pour comprendre la parole de Dieu. Ok, Malachie 3. Il est dit. Alors, nous allons lire à partir du verset 6. Malachie 3, verset 6, à continuer. Alors, je vais partager avec les bien-aimés mon écran. Voilà, je partage mon écran avec vous. Mais sauf que pour les autres bien-aimés, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ça. Vous allez utiliser votre Bible directement. Ok, le verset 6. Voilà les reproches que le Seigneur faisait à qui? Nous allons voir à qui il avait fait ses reproches. Regardons la parole et lisons ensemble au nom de Jésus-Christ, le seul et l'unique vrai Dieu. Lisons. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, soulignez vous, parce que nous devons découvrir vous, c'est qui. Vous, virgule, enfant de Jacob, et vous, vous qui, enfant de Jacob. Vous n'avez pas été consumé. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écarté de mes ordonnances. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écarté de mes ordonnances. Virgule. Vous ne les avez point observés. Point. Revenez à moi. Il n'est pas écrit convertissez-vous. Non. Le texte a dit revenez à moi. Parce que quand le Seigneur emploie cette expression revenez à moi, cela veut dire c'est quelqu'un qui était déjà dans la maison de Dieu, qui s'est éloigné de Dieu en faisant ce qui est contraire à la parole de Dieu et que le Seigneur demande à ces gens-là de revenir. Donc, revenez à moi, enfant de Jacob, et je reviendrai à vous, enfant de Jacob. Dit l'Éternel des armées. Point. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous nous repentir? Ça, c'est la question des enfants de Jacob à l'Éternel. Voyons voir la réponse de notre Dieu. La réponse, un homme trompe-t-il Dieu? Point d'interrogation. Car vous me trompez. Qui? Enfant de Jacob. Et vous dites, deux points. En quoi t'avons-nous trompé? Dans la réponse de Dieu, hein, Dieu répond. Dans les dîmes. Comment vous voyez que dîme est écrit au pluriel dans les dîmes? Déjà, si vous avez été à l'école, vous savez lire, vous comprenez, vous pouvez faire une analyse grammaticale ou une analyse logique, vous pouvez comprendre cela facilement. Dans les dîmes, dîmes au pluriel et les offrandes. Avec cette phrase-là, les dîmes et les offrandes, les pasteurs traditionnels égorgent, détruisent, appauvrissent le peuple de Dieu. Parce que vous ne prenez pas le temps de lire. Voilà le problème. Moi, je vous demande une seule chose. Je ne vous demande pas de me croire ou de croire ce que je suis en train de dire. Parce que tout cela, c'est la prédestination. Il faut que vous ayez été prédestiné à cela, à 13:48. Tout ce qui était destiné à la vie éternelle coure. Donc, il faut que vous ayez destiné à cela. Donc, je ne vous demande pas de me croire. C'est parce qu'il m'intéresse, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Donc, je suis là à transmettre la parole de Dieu. Mais, je vous demande une seule chose. Lisez vos Bibles. Prenez le temps de lire. Prenez le temps d'examiner. Même le Seigneur l'a dit à Josué. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour
et nuit. Cela veut dire sans cesse. Pourquoi faut-il méditer jour et nuit? Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Entreprises, il ne faut pas définir le mot entreprise selon Larousse. Parce que le mot entreprise, il faut le définir de manière biblique. Donc, c'est-à-dire que c'est la Bible qui doit définir le mot entreprise. C'est alors que tu réussiras. Le mot réussi dans ces entreprises, la définition de Larousse n'est pas adaptée à cette expression que tu vas réussir dans tes entreprises. Parce que l'entreprise ici, ce n'est pas un magasin. L'entreprise ici, ce n'est pas une entreprise littérale que les gens ouvrent là, qui sont des entrepreneurs là. Entreprise, ce sont les conquêtes des territoires pour les enfants d'Israël, les enfants de Jacob que Josué allait conquérir. Donc, dans tes conquêtes, dans tes entreprises, Josué, si tu veux réussir à entreprendre, à conquérir ces territoires-là, il te faut méditer jour et nuit le livre de la loi pour que tu puisses agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. À ce moment-là, Dieu sera avec toi pour te permettre de conquérir, d'entreprendre ces territoires pour que les enfants d'Israël puissent s'installer. Ça, c'est l'explication. Ça, c'est le sens, la définition biblique de Josué 1:8 que les faux pasteurs utilisent pour escroquer, égorger des gens en disant que, oui, si tu veux réussir, tu dois payer ta dîme. C'est faux. Nul n'a jamais payé la dîme. Je veux répéter ce que je viens de dire là. Aucun pasteur, aucun fidèle ne peut présenter devant moi et je lève ma main vers le ciel pour me certifier bibliquement qu'un pasteur ou un fidèle dans ce cercle ou depuis la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce moment que je suis en train de parler que quelqu'un avait payé la dîme une seule fois. Même en Israël, ça n'existait plus. Disons, de l'an 70, je vais être précis, de l'an 70 à aujourd'hui, personne ne l'a jamais fait. Nous avons 2000 ans environ. Parce que le général Titus a détruit le temple de Jérusalem en 70. 1848, et ça fait 1848, ça fait 1078 ans pour presque 2000 ans. Le peuple est revenu en Israël. Enfin, comment ça est revenu? Parce que c'est pas tout le monde qui c'est une partie. Donc, personne n'a jamais payé la dîme, mes bien-aimés. Personne, aucun fidèle. Vous allez me dire, ah oui, moi j'ai payé la dîme. C'est faux, vous n'avez pas payé la dîme. Jamais, vous n'avez jamais fait ça. Je vais vous prouver, vous n'avez jamais fait ça. D'ailleurs, vous ne savez même pas c'est quoi la dîme. Pour vous, la dîme, c'est vos revenus, c'est votre salaire, un dixième. Mais dans quelle Bible vous avez lu ça que la dîme, c'était votre salaire, vos revenus. Vos revenus monétaires. Vos revenus monétaires, vos revenus financiers, c'est ça la dîme pour vous. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous apprend. Mais c'est faux. Allons-y, continuons. Le verset 9. Donc, la nation tout entière a trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes. Je mets en défi tous les faux pasteurs pour venir me refiter et me prouver que quelqu'un a payé la dîme de l'an 70 à aujourd'hui. Vous savez pourquoi je commence à l'an 70? Pour en être sûr, parce qu'à l'an 70, général Titus a détruit le temple. Donc, de l'an 70 à aujourd'hui, j'attaque faux parce que me prouve bibliquement que quelqu'un a payé la dîme. Même lui là, le gros menteur qui se donne le nom pasteur, il n'a jamais payé la dîme lui. Tout simplement, il ne connaît même pas c'est quoi la dîme. Le verset 9, Malachie 3. Regardez bien le verset 8. Relisons le verset 8 pour continuer au verset 9. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé?
Le Seigneur répond, dans les dîmes au pluriel, dîmes au pluriel, c'est-à-dire plusieurs dîmes, plusieurs types, ou bien plusieurs dîmes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les types de dîmes, mais laissez-moi dire plusieurs dîmes et les offrandes. Offrande pluriel, dîme pluriel. Le verset 9, vous êtes frappé par la malédiction. Pourquoi? Parce que vous trompez Dieu dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction, virgule, le verset 9, hein, et vous me trompez qui? La nation tout entière. Est-ce que Dieu a dit les nations tout entières? Non, Dieu a dit la nation tout entière. Quelle nation? Les enfants de Jacob. Donc la nation tout entière a trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes. Ils ont été frappés par la malédiction. Les menteurs d'aujourd'hui, les faux pasteurs d'aujourd'hui qui vous disent que si vous ne payez pas la dîme, vous allez être pauvre, vous allez être frappé, Dieu va vous frapper. Dieu. Attends, le faux pasteur lui-même, il ne paye jamais la dîme puisque vous devez porter tout ça à lui. Il n'est jamais frappé par la malédiction. Il n'a pas payé la dîme. Il est plus riche que vous. C'est lui qui roule la plus belle voiture. Sa maison, c'est des mansions, des villas, des maisons du jamais vu. Et j'étais en train de regarder un documentaire sur le faux pasteur qu'on appelle Ivan Castanou, ou bien les Castanou. Les entreprises que ces gens ont possédées. Ces gens ont tellement d'entreprises inscrites à leur nom, leur famille, leur soeur, leur cousin, leur cousine, sur le dos des zombies en France. Tellement d'entreprises que ces gens ont possédées. Waouh! J'étais étonné de voir ça. Donc, ces gens ne payent pas la dîme. D'ailleurs, personne n'a jamais payé la dîme depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui. Mais le mec, c'est lui le plus riche. Lui, la plus belle maison. Lui, le chef d'entreprise. Pendant ce temps, le mec, il ne travaille jamais. Comment il a eu ces entreprises? Sa femme roule la plus belle voiture. C'est comme une sorte de famille riche. C'est pour cela que ces hommes appellent leur femme première dame, la première dame. Donc, ces gens sont comme des rois. Et quand je lis 1 Corinthiens 4, le verset 9, quand les apôtres disent, ce me semble que Dieu a fait de nous le dernier des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Maintenant, puisque nous sommes des condamnés à mort parce que Dieu a fait de nous apôtres, maintenant, nous voyons les hommes qui se disent apôtres, hommes de Dieu, ce sont des millionnaires, des hommes qu'on reçoit avec des tapis rouges. Or, les hommes de Dieu, ils étaient regardés comme les balayés du monde, les rébus de tous, des abandonnés, des méprisés. Vous pensez que vous avez le trésor entre vos mains vraiment, la façon qu'on vous accueille? Ils n'avaient ni beauté, ni éclat pour attirer nos égards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est cet homme-là que nous portons comme message. C'est cet homme-là que nous portons comme évangile. C'est cet homme-là que nous portons comme puissance. Et vous êtes accueillis par tous, même les satanistes. Vous êtes accueillis par les gouverneurs, les présidents, les magistrats, tous les gens de la du monde de la politique, tous les gens des affaires, les hommes des affaires, le monde des affaires. Vous êtes accueillis en grande pompe chez ces gens-là. Oh, depuis quand on aimait Jésus comme ça? Depuis quand les gens aimaient Jésus? Luc 12, 32, petit ou pauvre, ne craignez plus quand votre Père trouve bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez. Verset 33, Luc 12, 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Au lieu que vous donnez ce que vous possédez, vous êtes en train d'amasser les choses pernicieuses de cette terre. Regardez, c'est dans votre Bible. Malachie 3, le verset 9. Vous êtes frappé par la malédiction. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la France, ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie, mais c'est la nation tout entière, c'est-à-dire les enfants de Jacob. Et vous, vous dites quoi? Vous dites quoi, vous?
si les gens ne payent pas la dîme, ils volent Dieu, ce sont des voleurs, vous avez trompé Dieu. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Les apôtres qui disaient ça aux disciples, vous avez trompé Dieu. Avez-vous déjà vu un disciple qui payait la dîme? Où? Avez-vous déjà vu un apôtre qui recommande aux disciples de payer la dîme? Où? Non, nous ne sommes pas quoi arrivés. Le verset 10, peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi. Allons-y au verset 10, voyons voir. Nous allons lire, apprendre à lire le verset 10 de Malachie 3 pour la première fois pour la plupart des gens. Regardez dans votre Bible, lisons avec notre bon sens. Hein, notre bien-aimé frère Samuel. Regardez Malachie 3, parce que c'est pour toi ça. Regardons Malachie 3, 10. Avec l'œil, avec yeux. Regardons Malachie comme tu as pu regarder sur mon écran parce que tu es sur notre plateforme. Donc regardez bien Malachie 3:10. Nous allons lire ensemble avec notre bon sens. Et vous allez voir que ces pasteurs, ce sont des voleurs. Excusez-moi. Allez-y, frère. Juste une question. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de la nation tout entière, après vous avez dit quelle nation? Les nations des enfants de Jacques. Mais c'est la nation dans laquelle nous sommes. J'ai pas très bien compris en fait. Dieu il parle de quelle nation à ce moment? Oui. Dieu parlait du peuple d'Israël, les enfants de Jacob. N'oubliez pas que Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. Quand on dit les enfants de Jacob, on parle d'Israël. Les enfants d'Israël. Parce que Jacob c'est Israël. Parce que lorsque Dieu devait bénir Jacob, lorsque Jacob retenait, ou bien Dieu se laissait retenir par Jacob, à l'aube, il disait, autant que tu ne m'as pas béni, je ne vais pas te laisser partir. Il lui demande son nom, il dit Jacob, il dit tu n'es plus Jacob, tu es Israël maintenant, le père d'une multitude. D'accord. Okay? Et donc, c'est quel verset ça, où il dit tu n'es plus Jacob, tu es Israël? Genèse, attends, je vais le prendre vite fait, oui, je n'ai pas en tête directement. Excusez-moi, pasteur, de vous interrompre. Non, au contraire, c'est bien, interromps-moi autant que tu veux, autant que tu peux, aucun problème. Au contraire, on est là pour s'instruire, donc ce n'est pas un problème. Alors, si quelqu'un peut me retrouver le texte en même temps que je le cherche, là où Jacob avait changé de nom, je regarde vite fait, puisque je n'étais pas dedans. Alors, voyons voir. Je vais le texte souligner. Si quelqu'un peut le trouver, vite fait, merci d'avance. Ça va m'aider. Alors, voyons voir, Jacob. Genèse 30. Alors, c'est Genèse 35, mon frère, le verset 10. Alors, Genèse 35, Dieu dit 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna le nom d'Israël. Genèse 35, le verset 10. Donc, c'est là où il a expliqué ce qu'il avait vu automatiquement. Donc, avec ce texte, tu vas pouvoir trouver les autres textes. Donc, on y va. Nous sommes dans Malachie. Et tu peux m'arrêter à n'importe quel moment pour me questionner sans aucun souci, aucun problème. D'accord? Aucun problème. Donc, à n'importe quel moment, tu peux couper l'enseignement et tu me poses des questions autant que tu veux. Alors, nous sommes dans le verset 10. Puisque les pasteurs disent, si vous ne payez pas la dîme, vous allez être maudits, vous volez Dieu, donc vous trompez Dieu. Donc ces pasteurs, ce sont des menteurs. Donc puisque ce sont des pasteurs menteurs, donc automatiquement, nous devons prouver que ce sont des menteurs. Et je mets en défi tous ces pasteurs menteurs de me prouver qu'un jour, depuis l'an 70, à la destruction du temple, que quelqu'un avait payé la dîme jusqu'à aujourd'hui. Puisque personne, nul, ne l'a jamais fait de la destruction du temple en 70 par le général Titus à aujourd'hui. Personne n'a jamais payé la dîme. Et je mets tous ces pasteurs-là en défi pour me réfuter. Donc, le verset 10, nous allons lire. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Parce que nous allons décortiquer le verset 10. J'arrête sur cette phrase-là, la première phrase. Apportez à la maison du trésor
toutes les dîmes. Dîmes encore au pluriel. Ok? Dîmes est encore au pluriel. À la maison du trésor. Toutes les dîmes. Maintenant, nous allons vérifier. C'est quoi la maison du trésor? Où se trouvait la maison du trésor? Où il fallait apporter les dîmes? Parce que quand le texte dit apporter à la maison du trésor, vous êtes-vous posé la question, c'est quoi la maison du trésor? Où est la maison du trésor? Les faux pasteurs vont vous dire que la maison du trésor, c'est le bâtiment qu'ils ont construit là, le tabernacle, leur tabernacle. Mais c'est faux. Le tabernacle, ce n'est pas la maison du trésor. C'est complètement faux. Allons-y dans la parole, nous allons vérifier. Nous allons voir c'est quoi la maison du trésor. Nous sommes dans Néhémie, le chapitre 10. Gardez le texte. Regardez dans votre Bible pendant ce temps que vous fixez mon écran. Et nous allons comparer et vérifier ensemble ce que dit la parole. Néhémie, le chapitre 10. Néhémie, chapitre 10. Regardez dans votre Bible. Néhémie 10. Néhémie 10. Néhémie, le chapitre 10. Parce que nous voulons voir, bien que nous allons passer un peu de temps dans Néhémie juste après, lorsque nous allons détailler les détails de la dîme, tout, enfin, les choses qui font partie, qui comptent, qui constituent la dîme, qui fait que la dîme soit au pluriel. Les choses qui constituent la dîme, qui fait que la dîme soit au pluriel, nous allons regarder tout ça après. Mais là, je veux juste vous montrer la maison du trésor. Ok? Ok, la maison du trésor. Voyons voir, nous allons commencer au verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils. Je ne sais pas si ces faux pasteurs donnent leur premier-né de leur fils. Est-ce que ces soi-disant fidèles zombies là, qui ne lisent pas leur Bible, est-ce qu'ils donnent leur premier-né de fils aussi? Il faut apporter ça aux pasteurs. Hein? Apportez à vos pasteurs les... Hein? Chaque année, alors ce n'est pas chaque mois, hein, chaque année, les prémices de votre sol, les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, à votre pasteur chaque année, hein, d'amener à la maison de notre Dieu, je ne sais pas où se trouve la maison de notre Dieu, est-ce que c'est ce bâtiment-là qu'ils ont construit là, hein, pour le service dans le temple, hein, à qui? Au sacrificateur. Est-ce que le pasteur c'est un sacrificateur? Apocalypse est clair, nous sommes tous des sacrificateurs. Donc on devait apporter la dîme à nous-mêmes. Donc il faut apporter la dîme aux sacrificateurs qui font le service dans le temple. Dans la maison de notre Dieu. Il faut apporter quoi? Les premiers-nés de nos fils. L'avez-vous fait? Et vous payez la dîme. Ok. Hein? Les premiers-nés de notre bétail. Comme il est écrit dans la loi, parce que c'est la loi. Les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter, au, c'est pour ça qu'on dit les dîmes au pluriel, d'apporter au sacrificateur dans les chambres. Où il faut apporter ça? Dans les chambres de notre Dieu. Le verset 37, Néhémie 10, dans les chambres de notre Dieu, les prémices de notre Pâque. Si vous avez des Pâques chez vous, des Pâques que vous préparez pour faire des Pâques au peuple, ce que vous faites avec les Pâques là, il faut apporter les premiers bonbons, les premiers donuts, les premiers, ce que vous préparez là. Si vous faites, je ne sais pas ce que vous faites comme pâtisserie chez vous. Les premiers là, un dixième, vous devez retirer, apporter dans la maison de l'Éternel. Il faut apporter ça à l'église là-bas, vers ce pasteur-là. Il faut apporter, vous cuisinez des choses, apportez la première assiette là. Il faut apporter ça chez le pasteur. Comme c'est au pasteur qu'il faut apporter ça au pasteur. Hmm? Regardez. Hein?
les prémices de notre pacte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou. Vous savez même pas c'est quoi les mous. Et de l'huile. Vous apportez de l'huile quand vous êtes allé au marché là, dans les supermarchés. Vous faites vos courses. Vous avez acheté en quantité, n'est-ce pas? Vous avez apporté combien à l'église là? Comme c'est l'église, la maison du trésor. Hmm? C'est l'église, la maison du trésor. Vous avez plusieurs voitures chez vous. Vous avez apporté une voiture à l'église là? Comme c'est... Bien-aimé, c'est pour ça que vous n'allez jamais lire la Bible. Parce que cela ne va pas vous arranger. C'est pour ça que c'est faux parce qu'on ne lit jamais la Bible. Ils écrivent des livres, ils mettent leurs pensées pour vous zombifier, mais jamais lire la Bible. Et c'est pour cela que je vous demande de jeter tous les livres de ces faux pasteurs. Jetez ces livres parce que vous avez le livre qu'il faut là, la Bible. Lisez votre Bible. Continuons. Du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Qui doit relever la dîme? Les Lévites. Ce ne sont pas les pasteurs. Les sacrificateurs. Ce ne sont pas les pasteurs. Franchement. Le verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme, le verset 38, regardez bien, mon frère Samuel, regardez bien. Les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu ou dans la chambre de la maison du trésor. Nous arrivons à notre verset, regardez ce texte, verset 38. Les Lévites apporteront la dîme de la dîme ou à la maison de notre Dieu. En arrivant à la maison de notre Dieu, où? Dans les chambres de la maison du trésor. Donc, c'est-à-dire, la maison du trésor se trouve dans le temple, dans les chambres qui étaient dans le temple. Parce que le temple était conçu avec des chambres à part, disons des dépôts pour la réception des dîmes, des produits, tout ce que le peuple apportera dans le temple au sacrificateur. C'est pour cela qu'on appelait cette chambre la chambre de, ou les chambres de la maison du trésor. Donc la maison du trésor, c'était la maison où on stockait, où on recevait toutes les offrandes, les dîmes qu'on apportait à la maison de Dieu. C'est ça la maison du trésor, ça se trouvait dans le temple. Maintenant, demandez à ce pasteur-là, où se trouve la maison du trésor? Le texte a dit apporter à la maison du trésor. Ça se trouvait où? Dans le temple. Où est le temple? L'an 70, le général Titus a détruit le temple. Y a-t-il de maison du trésor? Il n'y a plus de maison du trésor. Peut-on continuer à payer la dîme? Vous n'êtes pas des enfants de Jacob. Vous n'êtes pas des juifs. Vous ne l'êtes pas. Il n'y a plus de sacrificateur. Il n'y a plus ça. Vous allez apporter vos dîmes où? À la maison du trésor. Savez-vous où se trouve la maison du trésor? Vous dites que vous payez la dîme. Je suis là pour vous payer la dîme. La maison du trésor se trouve où? Vous ne savez pas. Mais vous payez la dîme. Vous me dites que vous avez payé la dîme. Parce que vous donnez un dixième de votre salaire. Est-ce que Malachi 3:10 parle de un dixième de votre salaire là? Regardez, lisons. Nous allons voir dans Malachi 3:10, c'est devant vous, regardez. Est-ce que nous allons voir un dixième de votre salaire ou de vos revenus chaque mois? Est-ce que c'est ça qui est écrit dans Malachi 3:10? Parce que ça n'existe pas. Les pasteurs vous ont menti. Quand les pasteurs vous disent que vous volez Dieu, vous ne payez pas la dîme, c'est faux. Le grand voleur, les escrocs par excellence, ce sont ces pasteurs escrocs-là. Parce que Malachi 3:10 n'a jamais dit d'apporter un dixième de votre salaire ou de vos revenus à un pasteur. Ce n'est pas écrit.
Regardez Malachie 3:10. Rendez-moi fou ou sage. Regardez. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, virgule, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc les dîmes, c'est de la nourriture. Les dîmes et les offrandes, ce sont, hein, les dîmes, ce sont des, hein, de la nourriture qu'il fallait apporter à la maison de Dieu dans la chambre de la maison du trésor. Et quand vous aurez apporté les dîmes dans la maison de Dieu et qu'il y ait de la nourriture dans cette maison-là, mettez-moi à de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. Bon, posez, mon frère Samuel, ma question est à toi. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu roules sur l'or et l'argent? Est-ce que tu arrives à payer ta maison? Est-ce que tu arrives à écrire, à envoyer un peu d'argent aux familles, aux parents, aux blédes? Parlez-nous un peu, je t'écoute. Non. Non, pas tout le temps, des fois, vu que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les fins de mois, bah, c'est un peu difficile. Si, disons que tu touches 2000 euros, tu dois déjà enlever 200 euros sans même que le loyer, tous les charges soient passées. Et à chaque fois, 200, 300, 200, 300, chaque mois, ça fait un petit budget à la fin de l'année. Mais des fois, je ne vais pas vous mentir que non, même à mon père, je ne lui envoie rien, puisque au lieu de lui envoyer à lui, les 300 euros au pasteur à l'église, puisqu'il me fait comprendre que si je ne donne pas ça, je suis un voleur, je suis, comment on appelle ça, je suis un manipulateur, je suis un égoïste, puisque Dieu réclame son dû, et que je lui vole, quoi, en fait, en grosso modo, et pour ne pas être culpabilisé. Exactement. Même mon propre père, des fois, je lui envoie rien, alors que normalement, ça devait être la première des choses à qui je devais envoyer, tu vois. Et même, je lui ai déjà parlé de ce fait-là, et il m'a fait comprendre que donner à Dieu, Dieu m'enrichira. Partagez le live, bien-aimé, partage sur le groupe, partage sur le groupe. Le témoignage est bon pour tous les bien-aimés qui vont dans les églises traditionnelles. C'est très important, partage. N'oubliez pas de partager à d'autres personnes, parce que tout le monde doit connaître la vérité, c'est important. Donc, vous n'arrivez pas à payer vos factures, même à envoyer un peu d'argent aux familles, aux blédes, parce que vous devez donner 300 euros à ce faux pasteur. J'imagine que toi, tu dois donner 300 euros de ton salaire. Et madame aussi doit donner de sa part à ce faux pasteur. Ce qui fait que ce faux pasteur gagne presque 500, 600 euros de cette famille-là. Pendant ce temps, ton père, ta mère au pays n'arrive pas à manger, n'arrive pas à boire. Maintenant, qui est voleur ici? Parce que là, vous avez péché. Vous avez péché comment? Parce que vous laissez votre famille en plein mourir pour engraisser un voleur, un escroc. Vous n'allez pas mettre ça sur le dos de Dieu parce que ce n'est pas écrit. Regardez mon frère Samuel. Regardez. Est-ce que tu peux lire Malachie 3:10 comme tu vois mon écran? Essaye de lire pour les bien-aimés. Peut-être toi, tu lis. Moi, peut-être que je ne sais pas trop bien lire. Lisez pour moi, mon frère. Lire un peu. Je t'écoute. Je le vois bien, il y a marqué « Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes ». Ça veut dire que déjà, il y en a plusieurs. Je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs. Amen. Et quand il nous parle, il nous dit qu'il n'y a qu'une seule dîme. Donc déjà, ça, c'est un peu contradictoire. « Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison ». Donc la dîme, c'est de la nourriture. Ça veut dire ce passage, souvent, ils me font comprendre que donne de l'argent. Quand tu donnes ton argent, nous, on va acheter tout ce qui est... nourriture, en fait, c'est comme si c'était de la nourriture pour Dieu, en fait. Je dis, bon, d'accord, ok. Oui, ils vont donner à manger à Dieu. Mettez-moi à la sorte, à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Mon frère Samuel, j'ai une question pour toi, désolé. Est-ce que tu vois dans le texte un dixième de ton salaire chaque mois, ici, là? Justement, non. Est-ce que tu vois un dixième de tes revenus chaque mois dans ce verset-là? Non. Mais le pasteur dit qu'il faut apporter un dixième de tes revenus de ton salaire chaque mois. Excusez-moi, grand frère. En fait, c'est un dixième de tous mes revenus. Ça veut dire que si j'ai mon salaire...
Ok. Ah, non, oui, non, je m'explique. De tous les biens que je touche de l'argent. C'est-à-dire, si j'ai mon salaire, admettons, de 2 à 3 000 euros par mois, j'en ai un dixième. Mais être autant, si jamais je vends quelque chose, serait-ce que ma voiture, et qu'elle me coûte 50 000 euros, je dois enlever un dixième de la vente. C'est vrai ça? Il vous a dit ça? Mais de tous les revenus que je touche, si je touche à 10 euros, alors, je dois enlever 1 euro de vente. Ça, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Ça m'a choqué. Moi, c'est un dixième de tous mes revenus. Ah, si vous vendez votre voiture, par exemple, vous devez donner un dixième sur le... Un dixième de tout ce que je gagne. Mais, bah, yopi, gardez, là. Non, mais ça, en fait, c'est pas que moi. C'est ce qu'on nous fait comprendre dans toutes les... Même l'État, même l'État ne demande pas ça. Même l'État... Je suis d'accord. Ça veut dire que là, par exemple, si on me prête, par exemple, disons 10 000 euros, je dois enlever un dixième pour donner à l'église. Mais je lui dis, mais c'est un prêt. C'est un bien que tu as touché. Je dis, bon. Waouh. Okay. Mais en fait, pour vous dire que ça fait depuis, quoi, 4, 3 mois que j'ai arrêté d'aller là-bas, puisque, en fait, c'était un peu en contradiction. Je sais pas, le soir, je faisais des songes où on me faisait... Où on me disait que tu ne donnes plus rien, je ne sais pas. J'ai fait des songes assez incroyables, j'en ai parlé à ma compagne. Et même par la suite, j'en ai parlé aussi au pasteur, mais il m'a fait comprendre que le diable se transforme dans les songes pour ne pas que la gloire du Dieu s'exauce dans les dîmes, etc. etc. J'ai dit bon, ok. Et vous avez vu tout ce que le pasteur a dit. J'ai arrêté d'aller là-bas, ça fait depuis 3 mois que j'ai arrêté d'aller là-bas, puisque... C'est une contradiction avec ma conscience, en fait. Il y a quelque chose qui me dit que c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Quelqu'un qui ne travaille pas, un exemple plus simple, je ne travaille pas, disons, si quelqu'un ne travaille pas, l'État lui donne de l'argent, c'est pas la sueur de son front. Je dois quand même enlever de l'argent là-dedans. Mais c'est un don. C'est pas quelque chose que j'ai été cher. Bon, en fait, c'est toutes ces petites contradictions que j'étais pas trop d'accord et... dernièrement, ça fait quoi? Ça fait quelques temps, je l'ai eu au téléphone et il m'a fait comprendre qu'il ne faut surtout pas oublier ma dîme, que ce n'est pas un petit bouton qu'il a reçu plus et que ce n'est pas normal, en fait. Que, bon, bref, en grosso modo, je lui ai dit, bon, en ce moment, c'est un peu difficile, histoire de faire un peu un pas en arrière, sans forcément, mais j'ai trop réfléchi et je trouve que c'est une... En fait, ma conscience me dit qu'il y a une escroquerie dedans, voilà. Ça, c'est ma conscience. Après, j'en ai parlé avec... Alors, votre conscience vous a dit qu'il y a quoi dedans? Que c'est une escroquerie, en fait. C'est une escroquerie. C'est pas normal. C'est pas normal. Dieu, il ne demande pas... En fait, faire de l'aumône, c'est quelque chose, c'est honorable. Et nous-mêmes, il recommande à faire de l'aumône. Mais en fait, de donner un pourcentage de tout ce que tu gagnes, c'est quand même incroyable. Mais je dis bien de tout. Hein. Là, je gagne 100 euros, je dois enlever 10 euros. Je gagne 10 000 euros, je dois enlever 1 000 euros. Je gagne 50 000 euros, je dois enlever 5 000 euros. Alors, je vais résumer un peu pour le bien-aimé frères et sœurs qui nous regardent. Oui, excusez-moi. Vous avez une voiture, vous décidez de vendre votre voiture, soit pour acheter une autre plus grande, ou qu'il y a un problème, vous devez donner à ce pasteur un dixième du prix de cette voiture. C'est ce que nous explique là. Est-ce que vous imaginez l'escroquerie qu'il y a au milieu des églises traditionnelles? Le vol qu'il y a? En plus, ces hommes ont étudié la théologie pour pouvoir légalement égorger des gens. Pendant ce temps, sur le fondement des apôtres, l'église n'est jamais déclarée dans l'État. L'église n'est pas au nom d'un homme parce que Jésus-Christ dit « Je bâtirai mon église ». Quelqu'un ne peut pas prendre l'église de Jésus-Christ et inscrire, enregistrer l'église de Jésus-Christ à son nom et dire que c'est son église et appelle ses membres, ses fidèles comme si lui, il était Christ. Ce n'est pas possible. Maintenant, ils disent que la dîme qu'il faut apporter un dixième de salaire ou des revenus chaque mois. Et ils prennent Malachie 3:10 pour comment dire, soutenir leur mensonge. Mais Malachie 3:10 n'a rien dit. Regardez, Malachie 3:10 est en face de vous. Malachie 3:10 a été écrit juste là. Apporté à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est où? C'était dans le temple.
le temple n'existe plus. Donc, le général Titus a détruit le temple, donc il n'y a plus de maison du trésor. Donc, on ne peut plus apporter les dîmes. Maintenant, nous venons de voir dans Néhémie 10, la maison du trésor, c'était dans le temple. Maintenant, allons-y voir c'est quoi la dîme. Est-ce que la dîme, c'est l'argent ou pas? Parce que jusque là, je suis en train de parler, j'explique ça. Mais voyons voir la dîme. C'est quoi? C'est de l'argent? Nous venons d'avoir une petite idée que ce n'est pas de l'argent. Mais en vrai, est-ce qu'il y avait de l'argent à l'époque? Est-ce qu'il y avait de l'argent à l'époque? Pourquoi la dîme n'était pas l'argent pendant ce temps? Il y avait de l'argent. Hein? C'est ce que nous allons voir ensemble. Et vous allez voir que ces pasteurs-là, vous devez partir de toute vitesse de leur camp de concentration, de leur salle d'attente pour en faire, parce que ces gens ne sont pas des dieux, ce sont des voleurs, c'est pour cela que tous les pasteurs, ce sont des millionnaires. Ils sont tous... Maintenant, vous pouvez regarder sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tous les pasteurs sont des entrepreneurs. Tous les pasteurs sont devenus des entrepreneurs. Au début, ils n'étaient pas des entrepreneurs. Au début, vous aviez des pasteurs, ils étaient pasteurs avant. Après que cette confrérie démoniaque de gospel music là arrive, il y a des chanteurs, des artistes évangéliques qui font des concerts, qui vendent des CD, des louanges. Automatiquement, les pasteurs deviennent des pasteurs chanteurs. Ils étaient pasteurs et chanteurs. Oui, Samuel. Là, vous avez mis une bombe. Quoi, c'est tout ce qui est musique, chant, gospel, c'est pas bien. Démagogie totale, ça n'existe pas. Grand frère, attends, tu sais c'est quoi? Je vais t'appeler quand il y aura ma compagne, puisqu'on a eu un débat là-dessus, je lui ai fait comprendre que... Alors j'ai bien peur de déranger ma bien-aimée sœur Aurélie, hein. Ah non, mais t'as vu, mais ça, grand, excusez-moi, en fait, c'est un témoignage. C'est comme je dirais, mais c'est un vrai témoignage. Regardez. Mon bien-aimé frère, il suffit de lire la Bible. Avez-vous vu dans la Bible, sur le fondement des apôtres, au milieu des disciples, des artistes évangéliques, des concerts, il n'y avait pas? Ou autrement, la vente des adorations. Mais c'est quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre. Comment un homme peut-il dire qu'il est serviteur de Dieu? Sa marchandise, son commerce, son entreprise, c'est la vente des louanges et des adorations. Impossible! Des adorations qu'ils disent qui sont de Dieu à Dieu, consacrées à Dieu, ils vendent des adorations et des louanges. Le gospel music n'était pas dans l'église, mon frère Samuel. Et quand je suis allé pour regarder dans l'histoire, parce que tout ce qui n'est pas biblique, que vous voyez que les églises traditionnelles font, il faut juste regarder l'histoire, vous allez voir d'où vient ça. Je suis allé étudier, j'ai même fait une émission, vous pouvez aller regarder l'émission que j'ai fait, malgré c'est un peu en créole et français mélangé, mais apparemment je vais le faire en français, complètement en français, pour que cela puisse être clair pour tout le monde. Quand je suis arrivé là-bas, pour lire cette émission, excusez-moi. Je t'enverrai le lien. D'accord, merci. Ok, excusez-moi pour un peu. Quand je suis arrivé, mon frère, pour étudier le gospel, l'histoire du gospel, mon frère, le gospel n'était pas dans l'église. Le gospel n'a pas pris. Quand je dis gospel, c'est pas gospel qui signifie l'évangile. Je parle du gospel music. Ok? La musique gospel. Ce n'était pas dans l'église. Le gospel n'a pas pris naissance. Le gospel musique n'a pas pris naissance dans les églises. C'est faux. C'était des païens qui chantaient le gospel. Des gens qui n'étaient même pas convertis. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est une bombe. La plus grosse bombe, c'est que les femmes n'avaient pas l'habitude de chanter le gospel. Les femmes ne pouvaient pas monter sur scène. C'est Thomas à Dorset qui va permettre à une femme pour la première fois de monter sur scène pour chanter le gospel. Et les tout premiers tubes de gospel enregistrés, c'était dans les cabarets. C'était quelque chose de religion satanique, religion païenne. C'était du paganisme pur.
Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai dit, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et quand j'ai regardé les cantiques gospel, parce que les gens utilisent les cantiques gospel pour adorer, glorifier. Mais mon frère Samuel, est-ce que tu t'es déjà posé la question et dire, quand les apôtres et les disciples réunissaient au temps des apôtres, ils chantaient quoi? Est-ce que tu t'es posé cette question? Non. Donc, ça veut dire, nous ne lisons pas la Bible, vraiment. Nous ne lisons pas la Bible. Donc, ils chantaient quoi? Ils chantaient quoi? Si vous ne savez pas ce qu'ils chantaient au temps des apôtres et des disciples, vous ne pouvez pas adorer Dieu. C'est vrai. Au temps des apôtres et des disciples. Parce que dans Matthieu 26, après le repas de la Sainte-Cène, la Bible est claire, il dit, ils chantaient des cantiques. Après le repas de la Sainte-Cène, ils chantaient des cantiques. Mais s'ils chantaient des cantiques, ils chantaient quel cantique? Ils avaient l'habitude de chanter quoi? Est-ce que ce sont les vendeurs d'adoration, les vendeurs de louanges d'aujourd'hui qui vont composer des cantiques commercialisés, qui est une abomination pour nous donner et qu'on va utiliser ces cantiques pour adorer Dieu? Donc c'est-à-dire, dans ce siècle-là, nous utilisons les cantiques, les chants des vendeurs de louanges et des adorations pour adorer Dieu. Mais les disciples n'utilisaient pas les cantiques des vendeurs d'adoration et de louanges. C'était des cantiques inspirés. Colossiens 3:16, Éphésiens 5:19. Entretenez-vous pas des sons, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous en toute sagesse, par des sons, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantant au Seigneur sous l'inspiration de la grâce. Donc tout ce que nous devons chanter, utiliser pour adorer Dieu, ce sont les sons, les hymnes, les cantiques spirituels. Ils se trouvent où? Dans la Bible. Mais vous utilisez des cantiques commercialisés, des marchands de louanges, des entrepreneurs évangéliques, des commerçants du temps qui vendent les adorations. Et c'est une abomination. Vous voyez ces gens qui viennent à vous, qui viennent commercialiser quoi? Les louanges. Ils voyagent par-ci, par-là, ils commercialisent quoi? Les louanges. Les louanges de Dieu, les adorations de Dieu. Vous voyez les concerts, les louanges, ils veulent quoi? Les louanges. Quand vous rencontrez les artistes évangéliques, vous connaissez beaucoup d'artistes évangéliques, n'est-ce pas? En réalité, oui. Ils font quoi? Ils vendent. Ils vendent quoi? C'est vrai. Les louanges. Ils s'enrichissent. Les louanges et les adorations. Ce sont des vendeurs de louanges et des adorations. Donc vous pouvez les appeler entrepreneurs, vendeurs. Tout comme les pasteurs qui sont devenus, je disais tout à l'heure, avant, il n'y avait que des pasteurs simplement pasteurs, c'est tout. Ces pasteurs sont devenus pasteurs chanteurs. Parce que ces pasteurs ont vu que les vendeurs de louanges font beaucoup de l'argent dans la vente des louanges. Ces pasteurs aussi chantent pour pouvoir vendre ces louanges et avoir beaucoup d'argent. À un certain temps, après que ces pasteurs sont pasteurs et chanteurs en même temps, ils sont devenus pasteurs, chanteurs, écrivains. Ils écrivent des livres. Mais posez-vous la question. Lequel des apôtres écrivant une épître qui vendait cette épître-là à l'église? Paul avait écrit plusieurs épîtres. Plusieurs épîtres. Est-ce que Paul avait vendu ses épîtres à l'église de Corinthe? À l'église d'Éphèse. Vous écrivez des livres sur la sanctification. Vous écrivez des livres sur beaucoup de sujets bibliques. Vous prenez des versets bibliques. Vous dites que c'est Dieu qui vous a inspiré pour écrire ces livres. Mais Dieu a inspiré à Paul pour écrire à Corinthiens, des Corinthiens, tous les épîtres, les évangiles, les apôtres. Ils ont écrit. Dieu les a inspirés. Mais Dieu les a inspirés pour qui? Exactement. Dieu les a inspirés pour l'église. Ces hommes sont tout simplement des secrétaires du Saint-Esprit.
Et le message n'est pas pour cet homme, mais c'est pour l'église de Jésus-Christ. C'est de la nourriture que Dieu donne aux bergers pour ses brebis. Et la nourriture de Dieu pour les brebis sont des nourritures gratuites. Mais ces hommes ont vendu cette nourriture aux brebis. Au lieu que le berger nourrisse les brebis, a nourri les brebis, ce sont les brebis qui nourrissent le berger. C'est vrai. Ça n'existe pas que les brebis nourrissent le berger. C'est le berger qui nourrit les brebis. Amen. Le berger peut ne pas pouvoir manger chez lui, mais les brebis doivent manger. Des fois, les gens me disent, mes frères, vous faites trop d'efforts pour l'église. Des fois, il faut... Parce que si quelqu'un, par exemple, une soeur, un frère a un problème pour payer sa maison, l'église doit faire tout pour que la maison de cette soeur soit payée. On ne va pas lui donner un peu, la moitié. Non. L'église va lui donner tout l'argent de son loyer. Parce que si une soeur ou un frère est en difficulté pour, disons, 500 euros, vous lui donnez 400 euros. Il ne peut pas donner 400 euros au propriétaire. Parce que le propriétaire attend 500 euros. L'église doit trouver 500 euros pour que cette soeur soit dans la joie, dans l'allégresse d'être à l'église de Jésus-Christ, de faire partie d'une famille aimante. Vous ne pouvez pas lui donner 400 euros. Quand vous lui donnez 400 euros, vous lui demandez d'aller coucher ou d'aller faire n'importe quoi pour retrouver l'autre 100 euros? Non. C'est vrai. Or, Acte 2, 44, 45, Acte 32 à 37, Acte 6, verset 1er, 2. Deux Corinthiens 9 dit que l'argent de l'église doit être redistribué. L'argent que les pasteurs ont collecté, l'argent que l'église a amassé, doit être redistribué entre tous selon le besoin de chacun, dit la parole. C'est le fondement des apôtres. Si vous ne redistribuez pas l'argent, c'est que vous n'êtes pas celui que Dieu a appelé, parce que vous ne faites pas ce que Dieu demande vraiment. Et c'est pour cela que je vous dis, cet évangile, si vous allez présenter ça à votre pasteur dans cette église traditionnelle-là, ils vont vous mettre à la porte. Hein. Vous allez dire à pasteur, mais vous collectez de l'argent, les offrandes que vous collectez, les collectes-là. Vous faites quoi avec? Il va vous dire qu'on paye les loyers, l'électricité. Mais pasteur, et le reste? Vous allez faire quoi avec le reste de l'argent? Ben, qu'est-ce que je dois faire? Ça reste en caisse. Mais parce que dit la Bible sur l'argent collecté au milieu des disciples? Il faisait quoi avec? Et vous allez voir, l'argent a été redistribué entre tous selon le besoin de chacun. C'est quel verset ça, grand frère, s'il te plaît? Acte 32 à 37. Acte 2, 44 à 45. Acte 32, 37. Acte 6, 1er, 2. Deux Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9. Je donne 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9, tout le chapitre. Parce que par là, vous allez pouvoir comprendre que vous n'êtes pas esclave. Vous donnez ce que vous pouvez. On ne peut pas vous forcer à donner ni vous dire combien donner. Parce que vous devez donner selon ce que vous avez. Exactement. Non pas au-delà de votre capacité financière. Grand frère, excusez-moi, j'ai raté un autre témoignage, ce sera le dernier avant de vous interrompre. J'ai longuement parlé avec lui il y a quelques temps de cela, et il m'a cité à continuer la dîme, à faire la dîme, et puisqu'il m'a même fait comprendre que deux fois, quand il enlève les enveloppes, il voit des sommes dérisoires. Et en fait, moi, ça m'a blessé le cœur, parce que je me dis, mais comment ça dérisoire? Il y en a qui donnent ça 10 euros, 20 euros, 15 euros, 5 euros, il trouve que c'est dérisoire comme ça. J'ai dit, mais comment ça? Il m'a dit, ah, mais il y en a, ils prennent 600 euros pour acheter leur canapé, 1000 euros pour acheter des télés, et c'est tout ce qu'ils donnent à Dieu, 20 euros. Enfin, je lui ai répondu, ça m'a tellement choqué, je lui ai dit, mais la personne, tu ne sais pas ce qu'il y a dans sa poche, c'est peut-être c'est ce que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il peut donner, tu ne connais pas. Toi, peut-être c'est dérisoire, mais peut-être que lui, c'est un tout. Donc, tu ne peux pas dénigrer à ce que quelqu'un il donne comme l'aumône. En plus, c'était de l'aumône. Tu vois, chaque dimanche, on donne. Et ça m'a vraiment fait mal, en fait. Et tout. C'est tout ça qui a commencé à me faire réfléchir, à me dire que non, en fait, je vois que c'est une escroquerie.
Comment tu peux dire que quelqu'un qui donne de son cœur pour la maison du Seigneur, que c'est dérisoire? Regardons la différence entre Jésus-Christ et cet homme-là. Regardons. Et vous allez voir que ces hommes-là ne suivent pas Christ. Ils ne suivent pas Christ. Parce que s'ils suivaient Christ, ils auraient procédé comme Christ avait procédé. Lisons. Amen. Luc 21, le verset 1, 2, 3, 4. Jésus. C'est quel chapitre, excusez-moi. Luc 21, le verset 1, 2, 3, 4. Luc chapitre 21, le verset 1, 2, 3, 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Amen. Car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Quelle est la différence? Celui qui donne peu, c'est celui qui donne plus. Mais l'escroc là, celui qui donne plus, c'est le plus important. Et ce phénomène dans les églises traditionnelles, où des pasteurs qui ont des ailes cachapes, qui sutiles, par exemple, si je faisais partie de ces faux pasteurs-là, vous auriez vu des ailes cachapes, hein, qui étaient en train de tourner en boucle sous mon écran, hein, et contribuer, supporter mon ministère. Je n'ai pas de ministère pour que vous supportez. Supportez quoi? Depuis quand vous avez vu qu'un apôtre avait demandé à quelqu'un de supporter mon ministère? Mais je n'ai pas besoin que vous supportiez mon ministère. Vous allez supporter mon ministère comment? Vous êtes le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut supporter mon ministère, gérer mon ministère, conduire mon ministère. Mais ce n'est pas vous. Non. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Comme dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 15, 16. Donc, il m'a choisi, c'est à lui de prendre soin de mon ministère. Je ne vais pas vous dire de me supporter, de supporter mon ministère, venez supporter, contribuer, nanana. Depuis quand vous demandez à des païens de contribuer? Quand je vais vous demander de contribuer, est-ce que je sais qui vous êtes sur l'internet là? Je ne vous connais pas. Alors, il y aura des prostituées, il y aura des dealers de drogue, il y a des assassins, des criminels, des meurtriers qui vont contribuer pour l'église de Jésus-Christ. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Le Seigneur dit, n'apportez pas le salaire d'une prostituée dans ma maison, le salaire d'un astronaute ou les gens qui consultent les morts, les devins là. Vous n'apportez pas un salaire de drogue, un salaire de malfaits, de fraudes, de vols, des escroqueries. Un salaire d'abus de confiance, vous n'apportez pas ça dans la maison de Dieu. Et d'ailleurs, à l'église de Jésus, ce sont les saints qui contribuent. Ce ne sont pas des païens. Vous n'êtes pas baptisés, vous ne contribuez pas à l'église. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes réunis, vous n'allez même pas voir comment nous déposons nos offrandes ou peu importe ce que nous avons. Parce que vous ne faites pas partie de l'assemblée, vous ne faites pas partie des saints. Les saints savent où mettre ce qu'ils apportent. Nous ne passons pas des corbeilles devant vous. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ceux qui doivent contribuer, Dieu les incite. Dieu leur met ça en cœur. Dieu leur parle. Dieu leur dit quoi donner. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un, il faut donner tant. Non, Dieu, c'est lui qui est le maître du ministère. C'est lui qui est le maître de la moisson, c'est à Dieu. Non, si vous pensiez que moi je vais demander, même aller, non, jamais je ne fais jamais ça, je ne touche pas à l'argent. Parce que je m'occupe de la parole dans la prière. Comme dit l'apôtre dans Actes 6, nous allons nous occuper au ministère de la parole et dans la prière. Les diacres s'occupent des finances ou de la distribution qui doit se faire chaque jour. Ça, c'est le fondement des apôtres. Mais l'argent, non.
Je préfère dépenser mon propre argent. Je préfère vivre de mon propre. Et d'ailleurs, je ne touche rien et je n'ai pas besoin de l'argent de personne, comme dit Paul. Parce que je ne veux pas m'enlever ce sujet de gloire de pouvoir parler largement avec ma bouche large. Et j'ai souffert pour prêcher cet évangile. J'ai subi beaucoup de choses pour que je puisse parler avec ma bouche largement ouverte. Pour que personne ne ferme ma bouche. Vous allez inventer quelque chose, pas de problème. Mais ce que vous allez faire là, c'est une invention. Ce ne sera pas vrai. Sinon, ce serait une honte. Puisque Matthieu 5, 20 dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Donc ma justice doit surpasser vos justices. En tant qu'homme de Dieu, ministre de l'évangile. Donc ce qui fait que, bien aimé, vous voyez la différence. La pauvre veuve qui dépose et les hommes riches. Les pasteurs, les faux pasteurs d'aujourd'hui vont honorer un homme qui met 78 000 dollars si je fais référence aux faux pasteurs héros et tout ça. C'est vrai. 78 000 dollars, 100 000 dollars. Mais ils ne vont pas parler de celui qui a mis 5 dollars. Mm. Regardez, la veuve a mis combien? Deux petites pièces. Le Seigneur l'a honoré pour cela. Amen. Les faux pasteurs d'aujourd'hui. Comment? C'est quel chapitre? Ah, bon frère, j'ai commencé à lire la Bible vraiment. Luc 21. Ah, n'oublie pas, je ne t'avais pas dit ça, mais il te faut un cahier, stylo, fait pour souligner votre Bible et pour étudier la Bible vraiment. C'est, j'ai tout ça là, j'ai le cahier. Eh bien, n'oublie pas, il faut noter. Avec moi, c'est comme ça. Vous notez, vous vérifiez pour assurer que ce que je dis, c'est vraiment la Bible. Mm-hmm. Parce que le temps de dire amen à ce que nous ne voyons pas écrit bibliquement, c'est fini. Ouais. Ce n'est pas biblique, je n'observe pas. Ce n'est pas biblique, je n'applique pas. Vous ne faites pas ce qui est écrit dans la Bible, je ne vous suis pas. Vous allez me dire, je pense que je crois que, mais gardez ça pour vous, ce sont vos pensées, gardez ça pour vous chez vous. Je veux savoir ce qui dit la Bible. Point barre. Maintenant, allons-y voir. Nous étions dans Luc 21, verset 1 à 4. Et, frère Samuel, il faut noter ça. D'accord? Pour la veuve, je note Luc 21, 1, 2, 3, 4. Oui. 1, 2, 3, 4. Donc Jésus-Christ a honoré cette femme pour avoir mis deux petites pièces. Pendant ce temps, les faux pasteurs de Jésus honorent celui qui dépose 78 000, 100 000, 25 000. Toi, tu es un pauvre, tu vas mettre 5 dollars. Ils vont te mettre à la porte. Exactement, ils vont te mettre à la porte. Si les pasteurs ne redistribuent pas l'argent qu'ils ont collecté ou l'argent que les bien-aimés ont contribué, c'est qu'il y a un problème. Ils ne sont pas sur le fondement des évangiles. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parce que si vous n'avez pas de quoi à manger, à payer votre loyer, à vivre ou quoi que ce soit, c'est à l'église de vous donner de l'argent. Parce que le texte a dit, ils ont redistribué l'argent entre tous selon le besoin de chacun. Acte 32 à 37. Ils ont redistribué. Ils ne prenaient pas de l'argent qui venaient des païens ou des gens qui ne sont pas convertis. Quand des pasteurs vont vous dire oui, on peut prendre de l'argent des gens qui ne sont pas convertis, ce sont des voleurs, des escrocs. Parce que la vraie église de Jésus-Christ n'a pas besoin de l'argent des gens qui ne sont pas convertis. Non. Parce que celui qui doit contribuer, comme dit 2 Corinthiens 8, 5, celui qui doit contribuer, c'est celui qui s'est offert d'abord lui-même à Christ. C'est celui-là qui peut contribuer. Il faut que cette personne soit à Christ. Il faut que cette personne ait été donnée lui-même à Christ avant de pouvoir contribuer à l'œuvre de Christ. Vous n'êtes pas converti, vous êtes des païens, vous êtes des églises traditionnelles. Vous ne pouvez pas contribuer à l'église de Jésus-Christ. Et vous n'allez pas voir que nous, on va vous demander, ou peu importe que vous nous visitez. Imaginez que vous visitez l'assemblée, là où les assemblées sont réunies, dans les pays où nous sommes. Mais vous n'allez pas voir qu'on va vous présenter en corbeille, ou une corbeille où on va demander de l'argent. Pas du tout. Ce sont les bien-aimés qui savent où déposer. Mais vous, vous nous visitez, vous ne saurez pas. Et vous ne verrez même pas quand on va déposer. Vous ne verrez pas ça. Ok, j'avais dit, parce que nous allons terminer, j'avais dit qu'on allait voir est-ce que la dîme c'est de l'argent. Est-ce qu'il y avait de l'argent à l'époque? Parce qu'on disait que
Et la dîme, c'est de, on dit que la, les pasteurs disent que la dîme, c'est de l'argent. Ou les pasteurs disent, oui, on n'a plus de denrées, on n'est plus au pays, donc on donne de l'argent à la place de la dîme. Mais est-ce que à l'époque, il n'y avait pas de l'argent? Si. S'il y avait de l'argent, pourquoi est-ce que la dîme n'était pas de l'argent? Ou, allons-y voir, est-ce que la dîme, c'est de l'argent d'abord? Allons-y, dans Deutéronome, nous avons déjà lu Malachie 3:10, nous avons vu que il n'est pas écrit d'apporter à la maison du trésor un dixième de vos revenus ou de votre salaire chaque mois. Ce n'est pas écrit. C'est complètement faux. C'est comment dire, c'est un mensonge des faux passeurs. Ok? Ça n'existe pas. Excusez-moi. Où, Frère Samuel, vas-y, je te coupe. Où ils ont enlevé un dixième? C'est ça que je n'ai pas compris. Ils ont enlevé ça dans quel paragraphe? Alors, dire un dixième. Le mot dîme. Le mot dîme veut dire dixième. Est-ce que tu m'écoutes là? Le oui, mot dîme, le mot dîme même par définition, c'est dixième. D'accord. Ça veut dire dixième. Ok? Quand ils disent un dixième, la dîme de vos revenus, ça veut dire un dixième de vos revenus. Ou de, un dixième de, vos, de votre salaire. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'ils veulent dire. Mais le texte, il n'est pas écrit d'apporter un dixième de votre salaire ou de vos revenus chaque mois. Ça n'existe pas. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas biblique. Allons-y voir, est-ce que la dîme, c'est de l'argent? Deutéronome 14, le verset 22 jusqu'au verset 29. Deutéronome 14, le verset 22 jusqu'au verset 29. Alors, n'oubliez pas, je vous ai dit que la doctrine est littérale. Ok? Puisque la doctrine est littérale, on n'a pas besoin d'interprétation. Et surveillez les faux pasteurs qui vont vous dire l'exégèse, l'herméneutique, bon, et dans la Bible là, et là, et... on n'a pas besoin d'interprétation pour la doctrine parce que c'est littéral. Que les femmes se taisent dans les assemblées, vous allez me dire, le verbe se taire dans l'hébreu, et. Gardez vos raisonnements. C'est écrit noir sur blanc que les femmes se taisent dans les assemblées. Vous n'avez pas compris ça? Il est malsain à une femme de parler dans l'église. Vous n'avez pas compris ça? Quelle interprétation vous avez donné? À Corinthe, il y avait du désordre. Vous avez vu ça où? Dans le chapitre, vous avez vu qu'il y avait du désordre? Oui, les femmes étaient des prostituées, les femmes de ceci, les femmes n'écoutaient pas. Vous avez vu ça dans le texte? Avez-vous vu ça écrit dans le texte? Non, ce n'est pas écrit. Donc, c'est soit que vous êtes église des saints ou vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas des églises des saints, ne pratiquez pas ce qui est écrit. Et ce n'est pas à vous que la parole s'est adressée. C'est aux églises des saints. Vous êtes des entreprises, des hommes d'aujourd'hui. Alors, faites pas attention. On ne vous parle pas. Ce n'est pas à vous. Deutéronome 14, le verset 22, nous allons voir, est-ce que la dîme c'est de l'argent? Et est-ce qu'il y avait de l'argent à l'époque? Puisque les pasteurs disent que la dîme, c'est de l'argent. Donc la Bible doit répondre, est-ce que la dîme, c'est de l'argent? La Bible, est-ce que la dîme, c'est de l'argent? Et la Bible va nous répondre, est-ce que la dîme, c'est de l'argent? Parce que la Bible, c'est la parole qui parle à travers de la Bible en écriture. Le verset 22, Deutéronome 14. Il est écrit. Regardez, pour ceux qui peuvent regarder sur mon écran, nous allons lire tranquillement. Ok? Tranquillement. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Il faut souligner semence. C'est noté? Semence. Tout ce que produira ta semence. Virgule. De ce que rapportera ton champ. Ton champ. Maintenant, quand? Est-ce que c'est chaque mois? Chaque année. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. De ce que rapportera ton champ. Chaque année. Est-ce qu'on parle de l'argent là? Non, il ne s'agit pas de l'argent. Déjà, on voit déjà que ça, il ne s'agit pas de l'argent.
On avance. Le verset 23. Et tu... Alors, ce qui va vous choquer, c'est... ça va vous choquer. Je sais que ça va vous choquer. Regardez bien. Hein? Le verset 23 va vous choquer. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est quoi la clause? Et tu mangeras... Tu mangeras quoi? Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Tu mangeras quoi? La dîme. Alors ça c'est... En tout cas j'aime ça, j'aime ça. Hein? Mon frère Samuel, tu mangeras ta dîme. Est-ce que tu as déjà mangé ta dîme, mon frère Samuel? Ah non. Et tu mangeras ta dîme. J'aime ça. Tu mangeras ta dîme. Une fois un repas tous les 4 mois ou je ne sais pas combien de temps. Si je devais attribuer ça à la Bible, au fondement des apôtres, je prendrais Acte 2, 46. Ce qu'on appelle la communion fraternelle. Fraternelle. Le manger ensemble. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Donc, c'est un acte fraternel, ça s'appelle manger ensemble. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Ok, c'est ce qu'on fait, on mange ensemble. Parce que déjà, au cours de la septième, vous voyez, avant que le Seigneur partage le pain et le vin, le texte a dit, pendant qu'il mangeait, le pasteur ne va pas dire, il prit une coupe. Alors, il lisait, Matthieu 26, 26, pendant qu'il mangeait, ah, c'est le pasteur qui dit, pendant qu'il mangeait, il prit une coupe. Mais, et vous, vous étiez en train de manger? Le texte dit pendant qu'il mangeait, et vous, est-ce que vous étiez en train de manger? Parce que pendant qu'il mangeait, c'est la communion fraternelle. Il prit une coupe, il prit du pain, c'est la fraction du pain. C'est-à-dire la septième. Le manger ensemble et la septième. Avant, le manger ensemble, c'était la Pâque. Parce qu'il mangeait la Pâque d'abord, après, il partage la septième. La Pâque, c'était lui, il n'est plus d'actualité, maintenant, c'est le manger ensemble. Maintenant, le mec, il lit, pendant qu'il mangeait, il prit une coupe. Parce que j'ai été dans une église traditionnelle, un dimanche. Et puis, au matin, oh, la septième, ce n'est pas le matin, c'est le soir. Parce que c'est un souper. Ce n'est pas le matin, c'est un souper. Le soir étant venu, il se met à table. Ce n'est pas le matin étant venu, c'est le soir. C'est un souper. OK? Donc, et je suis arrivé dans cette église traditionnelle et puis, je voyais que ces églises traditionnelles qui participaient à... ce truc que je ne peux pas appeler la communion fraternelle, la fraction du pain ou bien la septième, je ne peux pas appeler ça la septième parce qu'il n'y a aucun principe de ce que dit la Bible n'est respecté. Et puis, j'étais à côté d'une sœur et puis le pasteur qui disait, qui dit, pendant qu'il mangeait, et puis j'ai dit à la sœur, mais vous étiez en train de manger? Mais j'ai pas vu des assiettes, j'ai rien vu. Vous étiez en train de manger quoi? Il dit non, serviteur, on n'était pas en train de manger. J'ai dit, mais le pasteur dit pendant qu'il mangeait. Vous n'étiez pas en train de manger. Jésus, avant de donner la septième, ils étaient en train de manger. Donc, vous étiez en train de manger? Non. Mais pourquoi il dit pendant qu'il mangeait? Ensuite, le soi-disant pasteur dit, il prit du pain. Et je dis, mais le texte a dit du pain. Mais je vois beaucoup de petits morceaux que... Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Le texte a dit, il le rompit. J'ai dit, mais j'ai pas vu où ton pasteur a rompu le pain. Il a rompu quand? Mais j'ai pas vu ça. Pourtant, c'est ce que le monsieur était en train de lire. Il prit du pain. C'était pas du pain, c'était des petits morceaux. Il le rompit. Le mec n'a rien rompu. Il prit une coupe. Le mec n'avait pas une coupe. C'était des petits verres. Donc, tout était à l'envers. C'était le contraire de tout ce qu'il disait. J'ai dit, c'est ça que vous appelez l'évangile?
C'est ça que vous appelez le fondement des apôtres. C'est ça que vous appelez, vous êtes appelé des dieux, vous êtes des... Mais c'est faux. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Donc, nous regardons juste en face de nous. Le texte a dit, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Quoi? La dîme de ton blé. Voilà pourquoi la dîme était au pluriel. La dîme de ton mou et de ton huile et les premiers-nés de ton goat et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Tu vas manger quoi, mon frère Samuel? Mon frère Samuel, les yeux là. Tu vas manger quoi? Le texte a dit quoi? Tu vas manger ta dîme. La nourriture, ouais. Mais excusez-moi, grand frère, regarde, tu vois, par exemple, ce que tu me dis, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi selon les textes. Mais regarde comment ils transforment ça. Ils vont te faire, tu vois, puisque cette question, j'ai déjà posé cette question, tu vois, du genre où, pourquoi on doit donner son salaire? Ils m'ont fait comprendre que, aux temps anciens, on faisait les bétails, les moutons, les ceci, les cela. Mais aujourd'hui, de nos jours, maintenant, on ne fait plus tout ça. Je dis, mais si, il y a des gens qui font encore des bétails, des moulins, puis tous ces, comme aux temps anciens. Et on me dit, oui, mais quand tu travailles, on te donne ton salaire. Et maintenant, le salaire, ça représente la dîme. Et je dis, mais c'est pas ce qui est écrit là, puisque il y a des gens qui travaillaient à l'époque, et on leur donnait de l'argent aussi. C'est ce que nous allons voir, mon frère. C'est ce que nous allons voir pour voir que ces gens, ce sont des menteurs. Ces pasteurs, ce sont des escrocs, des menteurs. Ah ben je le vois là, c'est écrit dans les textes. La dîme là que tu dois lever là, tu dois aller dans le temple pour manger ça. Maintenant la question, est-ce qu'il y avait de l'argent à l'époque? Et s'il y avait de l'argent, pourquoi est-ce qu'ils ne donnaient pas de l'argent? Est-ce qu'ils pouvaient donner de l'argent bien s'ils avaient de l'argent? C'est ce que nous allons voir dans le texte. Le verset 24, en sachant que la dîme, on mange ça. On mange ça. Ok? La dîme, on mange ça. Donc, si on mange ça, on ne donne pas ça au pasteur. Il faut manger ça. Donc, prochaine fois, vous allez dans ce bâtiment qu'on appelle l'église là. Vous dites que aujourd'hui, vous avez décidé de manger votre dîme dans ce lieu-là, comme c'est celui-là que Dieu a choisi. Donc, vous allez manger la dîme ici-là. Et vous mangez ça. Et puis, vous pouvez, bibliquement, c'est ce que Dieu vous a demandé de faire. Puisque la dîme existe encore, moi, je viens manger ma dîme ici. Le verset 24. Portez attention sur le verset 24. Okay. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Parce qu'il y avait des gens qui habitaient loin du temple. À ce moment-là, ils doivent faire quoi? Parce que le Seigneur les a bénis, et la dîme a augmenté, il y a beaucoup de denrées, beaucoup de semences. Donc pour rapporter tout ça, pour aller dans le temple et manger tout ça, le lieu est trop loin. Le lieu sera trop loin. Ils doivent faire quoi avec tout ça? Regardons. Ça va vous faire rire encore, hein? Ça va vous choquer encore, mais regardez. Le verset 27. Regardez, ça va vous choquer. Regardez dans votre livre. Deutéronome 14, le verset 27. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Je m'arrête là. Mon frère Samuel, regarde ce texte. Je veux que toi-même, tu le lis. Et tu gardes ça en tête. Le verset 25, Deutéronome 14. Je t'écoute, mon frère bien-aimé. Mon frère Samuel, est-ce que tu es là? Regarde le texte bien. Alors tu échangeras. Regarde le. Excusez-moi, ça avait coupé. Ah, d'accord. D'accord. Regarde le. Je te laisse lire le verset 25, mon frère, parce que ça, c'est pour toi, cet enseignement. Et pour tous les autres bien-aimés qui sont en train d'être abusés, égorgés par des faux pasteurs. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et tu fais quoi avec cet argent? Le verset 26.
Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Et tu feras quoi avec ça? Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Incroyable. Ça, c'est incroyable, ça. Ah là là, là, maintenant, je ne peux plus me faire avoir dans ça. Tu vois, pourquoi les autres gens sont bien? Non, Dieu, franchement, c'est une bénédiction, ça, en fait. Je pense que c'est un signe. C'est un vous signe connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et... non, donc, je refais une voiture neuve au magasin. Comment? C'est incroyable ça. Il a dit là, là, avec tout l'argent qu'on a dépensé là, on aurait fait acheter une voiture neuve au magasin. Et toutes ces années là. Et si seulement c'était possible pour dire à ce pasteur de me rendre tout l'argent que vous m'avez escroqué, ben vous m'avez menti pour me escroquer de l'argent, il faut me rendre tout l'argent là. Mais bon frère, excuse-moi de te dire ça. Hein. Tu sais quoi, il y a beaucoup de nos confrères qui sont là-bas. Moi, je vais leur parler. Comme ça, ils vont suivre tes enseignements, parce qu'il y en a beaucoup, grand père, je te jure. Ils vont vous mettre dehors. Je te l'avais dit la dernière fois quand on s'est vu là. On s'est rencontrés. Je t'avais dit que si tu vas au milieu de ces gens pour leur dire la vérité, ils vont te dire tout simplement, la porte est libre, ne viens pas nous embêter ici. Tu te sens pas bien? Vas-y. Non, mais grand frère, c'est pas bien. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de suivre les œuvres du diable. Là, tout à fait, tout à fait, bien sûr, ce sont des Matthieu 23-15. Il y a beaucoup de gens comme moi, on ne savait pas ça. Regarde ce que tu viens de me dire, ça même dans la Bible c'est écrit, mais ça ils nous le disent là. Et c'est le diable qui sert, ça veut dire que nous, on pensait qu'on faisait ça dans l'œuvre de Dieu. Mais tout ce qu'on a fait en fait c'est zéro. Donc, si que on Dieu veut... nous demande pas ça. Exact, si on veut résumer. Un, la dîme c'est chaque année... pour cette dîme-là qu'on regarde là. Et cette dîme-là, on la mange. On ne la donne à personne. C'est chaque année, c'est des semences, c'est ce qui rapporte nos champs. Ce n'est pas de l'argent, ce sont des semences. Si le lit est trop loin pour que tu puisses transporter ta dîme, puisque à l'époque, il y avait deux l'argent, Dieu a dit, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Cela veut dire clairement, la dîme n'est pas l'argent. Je suis d'accord. L'argent n'est pas la dîme non plus. Je suis d'accord. On peut vendre la dîme et on peut acheter avec l'argent d'autres choses pour constituer la dîme. Effectivement. Mais je peux te poser une question, grand frère. D'où il sort qu'il faut donner ça chaque mois? Dans quel paragraphe, en fait? Pourquoi? Ça, j'ai posé cette question-là, en fait. Et ça n'existe pas. Il me fait comprendre que... Oui? Ça n'existe pas, mon frère. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, il y a une bien-aimée sur YouTube qui a mis 2 CD pour $15. Donc, les vendeurs d'adoration, là, 2 CD pour $15. Bon, c'est surtout quand ils font des concerts. Vous voyez que les $35 adultes, $25 enfants, ou bien $15 enfants, ou $10 enfants. Donc, ça dit, un enfant doit payer pour adorer Dieu, tout comme les adultes payent pour adorer Dieu. Donc, ce sont des volets, des escrocs. Quand vous voyez les marchands d'adoration, les marchands de louange, là, les gens qui se disent artistes évangéliques, Dieu n'a jamais appelé personne pour chanter. Les apôtres étaient dans les rues en train d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Ils n'étaient pas en train de chanter. Paul n'était pas sur la place publique en train de chanter. Les disciples n'étaient pas sur la place publique en train de chanter. Vous ne pouvez pas dire où vous avez vu un disciple avait érigé un strade pour organiser un concert ou chanter ou donner des concerts par-ci par-là ou vendre des louanges ou des adorations. Ça n'existe pas. Ces chanteurs évangéliques, soi-disant, ce sont des voleurs, des escrocs, des filles du diable, des blasphémateurs, parce qu'ils ont osé vendre les louanges du Seigneur. Et ces gens, il faut crier derrière ces gens-là. Il faut les chasser. Il faut les dénoncer. Il faut les appeler même vendeurs évangéliques, marchands de louanges, vendeurs évangéliques, marchands, commerçants du temps. Il faut les appeler comme ça, parce que ce sont des commerçants,
Leur rôle, leur métier, c'est la vente des adorations et de louanges. Donc, ce sont des voleurs. Ces gens ne sont pas des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, ces gens, ils se préparent pour l'enfer. Ils ont tout droit en enfer pour avoir vendu les louanges du Seigneur, les adorations du Seigneur. Vous voyez le mec, il a beaucoup d'argent, il achète sa maison. Par quel moyen? En vendant des adorations et des louanges. Il voyage par-ci, par-là pour faire quoi? Pour vendre des adorations et des louanges. C'est pour cela que je vous dis, les pasteurs d'aujourd'hui là, ils étaient pasteurs tout court, ils sont devenus pasteurs chanteurs, maintenant c'est pasteur chanteur écrivain. Maintenant, pasteur chanteur écrivain n'est pas suffisant, c'est pasteur chanteur écrivain entrepreneur. Donc les pasteurs ont quatre habilités. C'est pour cela qu'ils sont plus riches que tout le monde. C'est eux les plus belles voitures, eux les plus belles maisons, eux qui ont tous les éloges. Les présidents, ce sont leurs amis, les députés, les sénateurs, les chefs d'entreprise, les footballeurs, ce sont leurs amis. Et ils ont utilisé une boule cristal pour attirer ces hommes d'affaires, ces hommes politiques à eux, pour que ces gens puissent faire des grandes offrandes, des grosses offrandes, pour que ces gens puissent remplir leurs poches. Donc c'est pour ça que vous avez ces pasteurs qui ont quatre titres, quatre entités. Pasteur, chanteur, écrivain, entrepreneur. Parce qu'ils doivent blanchir l'argent qu'ils rabassent. Il n'y a pas de blanchisseur d'argent que dans les églises traditionnelles. Tous les pasteurs des églises traditionnelles, ce sont des blanchisseurs d'argent. Ce sont des escrocs. Des entreprises. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont étudié la théologie, pour pouvoir égorger les gens légalement. Parce que l'État ne va rien dire quand un pasteur égorge des gens. Parce qu'il a un diplôme de pasteur. Or, les apôtres n'avaient pas de diplôme. La théologie n'existait pas. La théologie est diabolique et satanique. La théologie vient de Platon et d'Aristote. Platon a formulé le concept. Aristote l'a développé. La catholique romaine, Aristote a continué le concept, a développé le concept. Et puis, la catholique romaine a développé ce concept. C'est pour cela, le tout premier docteur et enseignant en théologie, c'était Thomas d'Aquin. Un théologien catholique. Donc cela n'a rien à voir avec la Bible. Les apôtres n'étaient pas théologiens. Paul a dit dans Éphésiens 3:4, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, hein, sur lequel que je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et quand vous voyez, vous rencontrez un homme de Dieu, un ministre de l'évangile qui parle de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas nier que cet homme-là a la connaissance de la parole. Cet homme-là est appelé, cet homme-là est un homme de Dieu. Cet homme-là parle par l'esprit, cet homme-là parle la parole parce qu'il parle d'après la parole et d'après ce que l'esprit avait transmis aux secrétaires qui étaient les apôtres, les prophètes, dans des livres. C'est ce qu'ils répètent, c'est ce qu'ils annoncent. Mais quand vous êtes tombé sur ces escrocs, ces voleurs, et maintenant ça va être pire parce que vous n'utilisez plus votre Bible, maintenant c'est un téléphone portable que vous utilisez. Et quand vous avez votre téléphone portable, vous n'êtes pas forcément sur une application biblique. Vous êtes dans des vidéos en train d'envoyer des messages, vous n'avez pas le temps pour vous concentrer sur Dieu. Et Dieu ne peut pas donner des révélations. Parce que tout le monde est occupé. Vous demandez à être rempli comme les disciples, comme les apôtres. À être comme l'église primitive. Mais sauf que vous ne réunissez pas comme les églises primitives. Comme l'église primitive. Parce que l'église primitive réunissait chaque jour à 2:46. À 2:47. À 7:42. À 19:09. À 2:61. Et vous, toi, le verset 12:13. C'est chaque jour. Hébreux 4, verset 7. Chaque jour, l'église réunissait. Ce n'est pas le dimanche matin. Les disciples ne réunissaient pas le dimanche matin. C'est chaque jour, à 15h. À la 9e heure, 15h de l'après-midi, les disciples réunissaient. Vous voulez avoir la puissance des disciples, l'onction des disciples. Mais sauf que les disciples, Actes 2, 44, 45, ils vendaient leur propriété, le bien et partageaient le produit entre tous et selon le besoin de chacun. À 4, 32. Hein? Ils redistribuaient tout ce qu'ils avaient amassé entre tous selon le besoin de chacun. Même un lévite qui ne devait pas donner, un lévite a vendu ses terres et donné l'argent et ils ont redistribué.
Aujourd'hui, l'argent n'est pas distribué. Ils ont gardé l'argent dans une banque pour le pasteur et sa famille, ses enfants. C'est pour cela qu'il a mis son fils pasteur après lui, pour que l'héritage puisse continuer. Il dit que quand vous payez la dîme, vous serez riche. Pendant ce temps, vous êtes pauvre. Vous n'arrivez même pas à manger. Et lui qui ne paye jamais la dîme, c'est lui qui est riche. Regardez pourquoi le milieu haïtien, dans le milieu haïtien, regardez Grégory Toussaint. Il a déjà annoncé, parce qu'il a un simulacre démoniaque qu'il appelle 40 jours de jeûne, qu'il organise chaque année. Il a déjà fait ses budgets qu'il doit collecter 10 millions de dollars cette année. Ce volet haïtien qu'on appelle Grégory Toussaint. Et je vous le dis déjà, c'est un sataniste. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est un démon, un sataniste. Un sataniste très puissant. Et c'est le pasteur haïtien le plus puissant et le plus démoniaque. Il est plus riche financièrement, il est plus démoniaque aussi. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Dieu me l'a montré en train de faire ces trucs-là. Je ne parle même pas des points doctrinales, des points doctrinaux où je vais dans la parole de Dieu. Non, même pas. Je vous parle de que Dieu me l'a montré. Je ne peux pas être un homme de Dieu. Je vais voir tel pasteur pour que Dieu ne me le montre pas. Sinon, je ne suis pas un homme de Dieu. Je ne suis pas un homme de Dieu. Quand vous voyez ce monsieur, ce Grégory, il faisait un jeûne, il était amaigri. Vous savez pas pourquoi il faisait ce jeûne, il était amaigri? Il devait prendre des degrés après le jeûne. Regardez Grégory tout ça maintenant. Il est devenu puissant. Il a organisé une marche où beaucoup, des milliers de personnes le suivent. Il voulait vérifier sa popularité. C'est un démon, un sataniste. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Il a déjà ses budgets, 10 millions. Il doit collecter 10 millions de dollars pour les 40 jours. Je crois qu'il va commencer en juin. 40 jours. 10 millions de dollars. Vous vous imaginez les disciples qui avaient tellement d'argent comme ça? Vous imaginez un homme de Dieu qui ramasse 10 millions de dollars pendant 40 jours. 10 millions pendant 40 jours. Pendant la marche là, la marche qu'il avait organisée, vous vous rappelez combien de millions qu'il avait ramassé? Je crois que c'était 200 millions de dollars qu'il avait ramassé. Franchement, en tout cas, je vous dis la vérité, c'est à vous d'accepter de prendre ou pas. Je ne vous force pas. À 13:48 est clair. Alors, je vais être clair pour tous les gens qui me regardent. Je ne suis pas en train de prêcher, d'annoncer et de dénoncer pour vous convaincre ou pour vous dire que et de croire dans ce que j'ai dit. Loin de là, à 13:48 est clair. Tout ce qui était destiné à la vie éternelle coule. Donc, le fait de croire dans ce que je suis en train d'enseigner ou de faire là, cela ne dépend pas de vous. Cela dépend de Dieu. Et cela dépend si vous avez été prédestiné. Si vous n'êtes pas prédestiné à croire, vous ne croirez pas. Et cela, I don't mind. Continuons. Donc, dans le verset 26, nous avons vu le verset 25-26. La dîme n'était pas l'argent. Et le peuple pouvait échanger la dîme contre de l'argent et garder cet argent dans leurs mains et aller dans le lieu que Dieu avait choisi. Et là, le peuple devait acheter ce qui leur fera plaisir. Et dans ce qu'ils devaient acheter, de ce qui leur ferait plaisir, c'était des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. D'accord, tout ce qui leur ferait plaisir, il mangera là. Donc, ce qui fait que la dîme n'est pas de l'argent. Quand un pasteur vous dit que la dîme, c'est de l'argent, dis-lui de vous prouver où dans la Bible, la dîme, c'est de l'argent. 1, 2, demande-lui de vous prouver bibliquement où il est écrit qu'il faut que vous donniez un dixième de votre salaire ou de vos revenus chaque mois. Dans quelle Bible cela est écrit?
S'il vous donne le texte qui dit que vous devez donner le un dixième de votre salaire ou de vos revenus chaque mois, je ne prêche plus. Et j'arrête. Parce que je serai un menteur dans ce sens-là. Mais si vous voyez qu'il ne peut pas vous le donner, sortez de ces camps de concentration, sortez de ces entreprises et revenez sur le fondement des apôtres. Je sais, beaucoup parmi vous, vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas baptisés. Vous n'êtes pas encore baptisés. Vous êtes baignés. Pour vous, en France, aux États-Unis, Canada, vous êtes baptisés dans des piscines, baignoires ou pelles de tractopelle. Vous n'êtes pas baptisés. Des piscines gonflables avec de l'eau réchauffée. Parce que l'eau dans laquelle vous êtes baptisé, c'est de l'eau chaude, réchauffée dans une piscine gonflable. Vous n'êtes pas baptisé. Vous êtes baptisé au nom du Père. Vous ne connaissez même pas le nom du Père. Donc vous n'êtes pas baptisé. Vous êtes baptisé au nom du Saint-Esprit. Vous ne connaissez même pas le nom du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas baptisé. D'ailleurs, le pasteur qui vous a baptisé, lui-même n'est pas baptisé. Donc c'est incompréhensible de dire que vous êtes baptisé. Mais si votre pasteur lui-même n'est pas baptisé, comment vous êtes baptisé? Vous êtes passé par où pour être baptisé? Si un pasteur théologien vous a baptisé, vous n'êtes pas baptisé. Parce qu'un théologien n'est pas appelé par Dieu. Un théologien ne peut pas vous baptiser. Un théologien ne peut pas vous baptiser. Parce qu'il n'est pas appelé par Dieu. Un théologien est un faux pasteur. Ce n'est pas un vrai pasteur. C'est un faux pasteur. Dieu ne le connaît pas. Et c'est la preuve. Pour prouver que Dieu ne l'a pas appelé, il est allé étudier la théologie. C'est pour cela, quand ces professionnels qui ne sont pas des pasteurs, qui sont des théologiens escrocs, ils viennent, ils construisent ou bien ils louent un bâtiment, ils appellent ça église. Et puis ils commencent à vous dire d'apporter un dixième de vos salaires. Et vous, vous vous comportez comme des zombies, vous ne lisez pas. Vous ne savez pas que ça n'existe pas. Un dixième de vos salaires bibliquement, ça n'existe pas, c'est faux. Vous ne devez rien à cet escroc. Vous n'avez pas à apporter un dixième de votre salaire ou de vos revenus. Ça n'existe pas, ce n'est pas écrit, ce n'est pas biblique. Malachie 3:10 n'a jamais dit d'apporter un dixième de votre salaire ou de vos revenus chaque mois. C'est faux. Mais lisez Malachie 3:10. Est-ce qu'il est écrit d'apporter un dixième de vos revenus? Pourquoi vous faites ça? Ça n'existe pas. C'est pour cela, les pasteurs professionnels théologiens, là, vous devez fuir ces escrocs. Et si vous avez un pasteur qui vous dit qu'il est théologien, c'est la preuve qu'il n'est pas appelé par Dieu. Parce que l'apôtre a dit, Éphésiens 3:3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance. Si votre pasteur ne dit pas, j'ai eu connaissance par la révélation, ce n'est pas un vrai pasteur. S'il vous dit que j'ai eu connaissance par la théologie, c'est un faux pasteur. Ce sont des adeptes de Platon et d'Aristote. D'accord? Donc ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des faux pasteurs. Vous êtes baptisés au nom du Père, je sais, beaucoup d'entre vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas baptisés. Vous n'êtes pas baptisé. Vous allez me dire, mes frères, comment ça je ne suis pas baptisé? Je vous dis que vous n'êtes pas baptisé. Maintenant, questionnez-moi. Vous n'êtes pas baptisé. Vous ne savez même pas comment j'appelle le Saint-Esprit. Donc, vous n'êtes pas baptisé. Vous ne savez même pas comment j'appelle le Père. Vous n'êtes pas baptisé. Vous allez me dire, le nom du Père, Jéhovah, Shaddai, Adonai, Elohim. Donc, vous avez oublié, à 4:12, il n'y a de salut en aucun autre. Et en aucun autre nom, il n'y a pas un autre, il n'y a pas un autre nom. Et maintenant, vous allez me parler Jéhovah et Shaddai Adonai. En plus, Jéhovah, vous êtes sorti avec quoi? Avec Jéhovah d'où? Jéhovah, ce n'est pas le nom de Dieu. Comme il y a une sorte de chant de nos frères et sœurs africains qui dit Jéhovah est son nom. Mais c'est faux, Jéhovah n'est pas son nom. Vous ne lisez pas Acte 4:12, vous lisez quelle Bible? Le texte a dit, il n'y a pas un autre, il n'y a pas un autre nom. Vous dites que Jéhovah est son nom. Vous avez trouvé ça où? Hein? Jean
17, le verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Si vous ne connaissez pas le nom du Père, va voir les apôtres. Allez voir les apôtres, puisque le nom du Père a été révélé aux apôtres. Jean 17, 6. Vous ne connaissez pas le nom du Père, allez voir les apôtres et vous saurez le nom du Père. Mais quand vous allez, Jéhovah est son nom. C'est dans quelle Bible vous avez dit que Jéhovah était son nom? Où ça? Donc, Charles Russell, franc-maçon 33e degré, sataniste de son état. Donc, c'est lui qui vous dit comment s'appelle votre Dieu. Donc, vous n'acceptez pas de croire le nom que les apôtres vous ont révélé, mais vous croyez à ce nom que Charles Russell vous a donné. Hein? Les adventistes du 7e jour, Miller en tant que franc-maçon sataniste, les Branhamistes, Branham en tant que sataniste franc-maçon, Joseph Smith en tant que franc-maçon, et toute la confrérie était des francs-maçons, des satanistes renommés. Et ce sont ces hommes-là que vous suivez, au lieu de suivre les apôtres. Il y a des gens qui disent que moi je ne suis pas les paroles de Paul, j'écoute Jésus. C'est faux. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne suivez pas les paroles de Paul, les paroles des apôtres. Si vous ne respectez, n'appliquez pas les paroles, les enseignements des apôtres et des disciples, vous ne pouvez pas être sauvé. Jean 17, 20. Jean 17, 20. Vous voulez que je lise Jean 17, 20 pour vous? Lisons Jean 17, 20. Jean 17, 20. Vous allez voir si vous ne faites pas ce que les apôtres disent. Vous ne pouvez pas être sauvé. Claire. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas pour les disciples et les apôtres que j'ai prié seulement. Mais j'ai prié pour ceux qui viendront parce qu'ils croiront aux paroles des apôtres. Donc vous ne croyez pas dans les paroles de Paul, le plus grand des apôtres. Et celui qui a plus écrit. L'enfer tout droit. Ensuite la gêne. Oh, vous voulez deux textes? Oh, laissez-moi vous donner deux textes. 1 Corinthiens 15. Vous pensez que si vous ne croyez pas dans les paroles de Paul, vous allez être sauvé? C'est faux. Vous allez tout droit en enfer. Tout droit en enfer. C'est soit que vous avez la même Bible que moi, ou que vous lisez dans la Bible des Massi Mandi là, des Homo là. Allons-y. 1 Corinthiens 15. Parce qu'il y a deux Bibles. La Bible des démons et la Bible de Jésus-Christ, c'est-à-dire la Bible dans laquelle où sont compilés les écrits qui ont été inspirés de Dieu aux prophètes, aux apôtres. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, virgule, que vous avez reçu, virgule, dans lequel vous avez persévéré, virgule, et par lequel vous êtes sauvé, virgule. Ce n'est pas vous allez être sauvé, hein? Vous êtes sauvé, hein? Virgule. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Autrement c'est la vienne. Vous ne croyez pas dans les écrits de Paul? Hey, mon ami, vous irez en enfer sans escale. Sans escale. Et vous n'aurez même pas besoin de pilote. Vous allez tout droit en enfer. C'est clair, noir sur blanc, c'est écrit là. L'évangile que je vous ai, dans lequel vous avez, par lequel vous êtes sauvés, si seulement vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez couru en vain. Maintenant, continuez à me dire que mais c'est Paul qui a dit je ne permets pas à la femme. Il y en a un qui m'a dit sur Facebook, ouais, le texte a dit je. Est-ce que tu as compris ce que veut dire je? Ou l'autre a dit, mais et la Bible a dit que la femme peut prophétiser, donc la femme peut prêcher. Ah bon? Donc, le même apôtre qui vous dit toute femme qui prophétise, c'est le même apôtre qui dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est le même apôtre qui dit, comme dans toutes les églises des saints, ce n'est pas seulement à Corinth, dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Selon que le dit aussi la loi. Car il est malseillant à une femme de parler dans l'église. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison. Vous n'avez même pas le droit d'interroger
quelqu'un au milieu de l'assemblée. Même après l'assemblée, vous ne pouvez pas le faire. Le texte a dit, vous interrogez votre mari. Peut-être que vous allez interpréter ça d'une autre manière. Interrogez votre mari à la maison. Donnez-moi l'hébreu. Ou dans le grec, le mot interroger. C'est ce que je mets. Ah, c'était le mot, c'était dans l'hébreu, dans le grec. Explique-moi le mot interroger son mari à la maison dans le grec, dans l'hébreu. Comme je ne parle pas grec ni hébreu. Explique-moi le mot hébreu et le mot grec. Interrogez votre mari à la maison. Si vous ne comprenez pas ça en français, vous allez interroger. Vous n'avez pas le droit de poser des questions dans l'assemblée. Vous n'avez pas le droit de parler dans l'assemblée femme. Femme chrétienne. Je ne parle pas aux femmes qui ne sont pas chrétiennes. Je parle aux femmes chrétiennes. Les femmes qui font profession de servir Dieu. Les chouchous du Seigneur. Parce que les femmes, ce sont des chouchous du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu, le Seigneur a dit, hein? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et cette responsabilité est gigantesque. Pour l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Quand vous étudiez l'amour de Christ pour l'église, que nous n'allons jamais arriver à comprendre cet amour, ça nous dépasse. C'est-à-dire notre responsabilité envers notre épouse, ça nous dépasse. Donc maintenant, si un pasteur traditionnel peut m'expliquer, interroger son mari à la maison, ça veut dire quoi dans le bruit, dans le grec, ça me ferait plaisir. Parce que ces hommes disent, vous ne comprenez pas, frère. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Si une femme veut questionner, elle doit le faire chez elle? Quelle interprétation que vous devez donner avec ça? Mais c'est clair. Tu veux poser une question? Va faire ça chez toi. Demande à ton mari chez toi. Ce n'est pas là, dans l'assemblée. Chez toi. Demande à ton mari chez toi. C'est ce que dit-il. Si elle veut se suivre sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. C'est littéral. Vous voulez interroger, vous voulez poser une question, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, femme. Au milieu de l'assemblée, pendant le serviteur enseigne, allez chez vous, demandez ça à votre mari. C'est ce que dit la Bible. Vous voulez interpréter cette phrase? Interrogez votre mari à la maison, donnez-moi le bruit et le grec. Parce que je ne connais pas le bruit et le grec comme je ne parle pas. Vous choisissez. Hein? Le verbe se faire, vous allez me donner le bruit parce que comme je ne comprends pas. Maintenant, vous allez me dire, mais la Bible a dit qu'elle peut prophétiser, donc elle peut prophétiser dans l'église. Mais mon ami, c'est l'apôtre qui dit qu'elle peut prophétiser, mais le même apôtre qui a dit qu'elle ne peut pas parler dans l'assemblée. Oh, prophétiser, c'est parler. Maintenant, la question est, si elle peut prophétiser, elle ne peut pas le faire dans l'assemblée, pendant le service. Elle peut le faire où? Mais c'est la Bible qui doit répondre à cette question. Vous avez toutes les prophétesses dans la Bible. Allez-y, consultez sa prophétesse. Je vais voir Déborah, elle prophétisait où? Sous le palmier de Déborah. Je vais voir Hilda, elle prophétisait où? Où? À Jérusalem, dans l'autre quartier. Je vais voir Marie, elle prophétisait où? Pendant qu'on allait dans la mer Rouge. Et Marie prophétisait avec les femmes. Elles étaient ensemble et elles commençaient à chanter. Il se trouve que la chanson qu'elles chantaient, c'était ce qui allait se passer. Donc c'était une chanson prophétique. Je suis allé voir Anne, je voyais que Anne prophétisait dans le temple. Puisque dans le temple, il y a plusieurs parvis, donc il me faut savoir dans quel parvis se trouvait Anne. J'ai vu que dans le temple, il y avait le parvis des païens, le parvis des femmes, le parvis des hommes ou la cour d'Israël, et le parvis des prêtres. Donc automatiquement, j'ai vu que Anne prophétisait dans le parvis des femmes, puisque les femmes n'étaient pas dans le même lieu que les hommes. Vous le savez. Et quand vous prenez un texte dans l'Ancien Testament pour montrer que la femme a le droit de prêcher ou de parler dans l'église, vous vous suicidez, puisque dans l'Ancien Testament, la femme, quand elle avait cette période, elle ne pouvait même pas se présenter dans le temple. Si elle avait mis au monde un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, elle devait passer 33 jours chez elle. Si elle avait mis une fille au monde, elle devait passer 66 jours chez elle. Pourtant, ce n'est plus d'actualité. Et vous allez prendre un verset dans l'Ancien Testament pour montrer que les femmes peuvent prêcher. Vous voyez pas que vous êtes en train de vous suicider? Vous allez prendre que la femme a été au cimetière. Mais quel rapport? La femme a été au cimetière. Donc ça veut dire quoi? Oui, c'est la femme qui a apporté le message. Quel message? Les apôtres n'avaient pas encore l'évangile? Les disciples ne connaissaient pas encore Jésus, donc les femmes allaient apporter le message. Or, les femmes ne savaient même pas que le Seigneur avait été ressuscité. C'est l'ange qui leur a annoncé. Et l'ange qui leur a dit, n'oubliez pas, le Seigneur a dit qu'il les attendait, hein, dans le lieu de rendez-vous. Matthieu 28, 16. Est-ce que dans le lieu de rendez-vous, quand les onze s'étaient présentés devant Jésus, il y avait une femme?
Est-ce qu'il y avait une femme que Jésus-Christ avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples? Jésus-Christ ne s'est pas adressé aux femmes, allez. Jésus-Christ n'a pas envoyé les femmes évangéliser. Jésus-Christ n'a pas envoyé les femmes prêcher. Ça n'existe pas. Si vous avez un texte, donnez-le moi parce que je n'ai jamais trouvé ça. Est-ce que les femmes avaient vu quand Jésus montait au ciel, après qu'il ait parlé aux disciples, il ait donné la grande commission, les dernières recommandations? Est-ce qu'il y avait une femme là? Est-ce qu'il y avait une femme qui voyait Jésus qui montait pendant qu'il parlait aux disciples? Aucune femme n'était là. Pourquoi une femme n'était pas là? Pourquoi? Puisque Dieu les a donné le mandat de prêcher, il y a le ministère de la femme. Vous avez trouvé ça où? Ministère de la femme. Ça existait où? Ça existe où? Et non seulement ça, il a choisi 12 apôtres. Je sais que c'est faux pasteur d'aujourd'hui. 12 apôtres, ils auraient fait comme les hommes politiques. L'égalité des chances, c'est ça? 6 hommes, 6 femmes. Parce que sinon, vous êtes féministe. Vous êtes, comment on appelle les hommes? Exact. Donc, vous allez mettre 6 hommes, 6 femmes. Il a pris 12 hommes. Même pas une femme. Il a envoyé 72 disciples évangélisés. Il n'y avait même pas une femme parce que Jésus-Christ n'envoie pas les femmes. Au lieu de choisir une femme apôtre, il a choisi un démon. Prédestiné à être péri. Prédestiné à la perdition. Donc il a choisi un fils de la perdition au lieu de choisir une femme apôtre. Pourquoi? Pourquoi? Répondez-moi. Oui, pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi il n'y a pas de femme en fait? Parce que s'ils avaient la Bible, ils auraient compris pourquoi Dieu a fait ça. Ils auraient compris cela. Ils auraient compris. Maintenant, vous dites qu'ils prennent, non seulement ils prennent la femme qui était au cimetière, ils ont pris, le pire des choses, c'est que ces gens ont pris la femme samaritaine, disant que la femme samaritaine était évangéliste. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, la femme samaritaine a été prêchée. Donc, ils ont parlé Jean 4, 16, que Jésus-Christ avait dit à la femme, tout simplement, va chercher ton mari et reviens. Voilà ce que Jésus-Christ avait dit à la femme. Les disciples arrivaient dans le verset 27 en voyant Jésus parler à cette femme. Ils étaient étonnés le fait que Jésus parlait à une femme parce que c'était un déshonneur. C'était dégradable. C'est pas que je n'ai rien contre les femmes. J'aime les femmes parce que ce sont les chouchous de Dieu, les femmes. Je parle des femmes qui font profession de servir Dieu. Je ne suis pas quelqu'un anti-femme ou je ne dis pas, ça n'a rien à voir. Je parle de l'évangile, j'ai dit ce qui est écrit. D'accord? J'aime ma maman c'est la femme que j'aime la plus au monde. C'est mon doudou. Ok? Mon épouse, la même chose. Donc ça veut dire, je n'ai aucun problème comme les gens pouvaient dire, j'ai des problèmes avec des femmes ou j'ai un problème. Non, je fais que dire l'évangile parce que moi, je prêche pour l'évangile, pour le salut, parce que j'ai mon salut à gérer. Donc je n'ai pas le temps pour faire ce qui n'est pas biblique ou ce que Dieu n'a pas demandé. Donc on est clair là-dessus. Donc ça veut dire, ce n'est pas la peine de m'accuser de ça. Donc, la femme samaritaine, Jésus lui a dit, va appeler ton mari et reviens. Mais Jésus ne lui a pas dit d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création, prêcher les samaritains et amener, dis-les. Bon, la femme samaritaine était samaritaine, donc une païenne, une forme de païenne. Deux, elle n'était pas disciple. Trois, les disciples ont vu Jésus parler avec cette femme, les disciples étaient étonnés de voir, mais tu parles avec une femme. Et quatre, Jésus-Christ ne lui avait pas donné l'ordre d'évangéliser. La femme n'était même pas baptisée. Jésus-Christ n'envoie pas les gens non baptisés évangéliser. Vous avez vu que la femme était baptisée? Mais vous faites exprès. Et les hommes qui avaient écouté ce que la femme disait, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Et ces gens sont venus voir cet homme-là. Ces hommes-là ont dit à la femme, ce n'est pas parce que tu nous as dit ça qui fait que nous croyons. C'est parce que nous sommes venus, nous avons vu de nos propres yeux et nous savons que cet homme est le sauveur du monde. Pendant ce temps, la femme ne savait pas qui était Jésus. Au moment où les hommes sont venus, ils ont déjà vu que c'était le sauveur du monde. Donc, il va évangéliser sans savoir de qui il va parler. Il ne connaissait même pas qui était Jésus. Il va évangéliser. Alors,
Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus peut parler de Jésus? Tu vas dire quoi aux gens? Et après, ils ont pris Galates 3, 28. Il n'y a ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. Bon, c'est facile pour comprendre, c'est simple. Bon, est-ce que ça parle de femmes dirigées, prêchées là? Ou ils ont pris Joël 2. Ah, Joël, le texte de Joël, dans Acte 2, le verset 17-18. Au dernier jour, j'envoie mon esprit pendant sur vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, est-ce que le texte a dit qu'ils vont prêcher, que la femme va prêcher, diriger, parler dans l'église? Ce n'est pas ce que le texte a dit, ça n'a rien à voir, il n'y a aucun contexte, aucun rapport. Non seulement le contexte, ce n'est pas le même contexte, le rapport, ça n'a aucun rapport. Donc, je ne comprends pas. Vous allez prendre Déborah comme exemple, mais vous allez vous suicider. Vous avez dit Esaïe 3:12, mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Vous pensez que si vous prenez un texte de l'Ancien Testament, ça va vous aider? Mais ça va vous déroger. Maintenant, je vais vous donner deux choses après, on va terminer. L'apôtre qui dit que toute femme qui prophétise, c'est-à-dire l'apôtre sait que la femme peut prophétiser. Mais ce même apôtre dit que la femme n'a pas le droit de parler dans l'assemblée. Donc, cette femme-là va prophétiser où? Elle va prophétiser où? Parce qu'elle n'a pas le droit de parler dans l'assemblée. Et c'est pour cela que l'apôtre a dit dans 1 Corinthiens 14, 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ce qui fait que quand la femme a le message, l'Esprit de Dieu ne va pas permettre à cette femme de prophétiser dans l'assemblée puisqu'elle n'a pas le droit. Maintenant, la question c'est de savoir où elle doit prophétiser. Comment elle va pouvoir transmettre son message. Maintenant, cette question, j'ai cette question. Maintenant, la Bible doit me répondre. La Bible doit me répondre. Maintenant, ce que je vais faire ou ce que j'ai déjà fait, je vais consulter toutes les femmes prophétesses à travers la Bible pour pouvoir vérifier où ces femmes prophétisaient. Je suis allé voir Déborah, elle prophétisait sous le palmier de Déborah. Je suis allé voir Hulda, elle prophétisait dans l'autre quartier à Jérusalem chez elle. Je suis allé voir Marie, elle prophétisait pendant qu'ils allaient vers la mer Rouge, toutes les femmes étaient ensemble et que Marie chantait, les femmes battaient des tambourins. C'est à ce moment-là que le cantique que ces femmes chantaient, c'était un cantique prophétique qui expliquait ce qui allait se passer. Maintenant, je suis allé voir Anne qui prophétisait dans le temple. Sauf qu'il y a un problème quand j'arrive dans le temple. Parce que je voulais voir, est-ce que Anne se tenait devant les hommes ou devant le peuple pour prophétiser? J'étais curieux de savoir cela. Donc, je suis allé dans le temple pour voir comment était constitué le temple. Et je suis allé, en arrivant, j'ai vu que il y avait le parvis des païens, le parvis des femmes, le parvis des hommes ou la cour d'Israël, le parvis des prêtres. Maintenant, j'ai demandé où était Anne. Anne se trouvait dans le parvis des femmes parce que c'était une femme. Donc, Anne prophétisait où? Anne prophétisait au milieu des femmes, dans le parvis des femmes. Donc, Anne n'était pas devant les hommes. Non. Je ne suis pas satisfait. Je suis allé voir les quatre vierges de Philippe. Il faut que je sache où les filles de Philippe, les quatre vierges de Philippe prophétisaient. Est-ce que c'était dans l'assemblée au milieu de tout le monde? En arrivant chez Philippe dans Acte 21, le verset 8-9, les quatre filles de Philippe qui étaient vieilles prophétisaient dans la maison de leur père, dans la maison de Philippe. Donc ce n'était pas dans l'assemblée. Donc tu veux prophétiser femme, tu prophétises chez toi. Tu prophétises chez toi, tu transmets le message à ton mari, puisque tu dois l'interroger chez toi, tu transmets ça chez toi à ton mari va retransmettre le message à l'assemblée.
Alors, les femmes vont dire, mais serviteur, comment je vais témoigner, chanter la louange de Dieu, faire un solo? Avez-vous vu sur le fondement des apôtres, il y avait des chorales, des artistes évangéliques? Avez-vous vu qu'on faisait des places à des gens pour venir faire des solos? Ça n'existe pas. Ou qu'on faisait des places à des femmes pour venir parler, témoigner? Ça n'existe pas, puisque la femme n'a pas le droit de parler. Ça n'existe pas. Ok? Donc, on ne peut pas faire ce qui n'existe pas. Maintenant, nous avons vu que ces gens doivent prophétiser chez eux, puisqu'elle n'a même pas le droit de poser question ou de demander quelque chose. Elle doit le faire chez elle à son mari. Donc, nous n'allons même pas parler qu'une femme pasteur pour diriger service, un dirigeant service ou apôtre ou quoi que ce soit. Ça, c'est de la démagogie démoniaque totale, tout simplement. Maintenant, question. Pourquoi les femmes n'ont pas le droit? Ah, c'était ça la question, Frère Samuel, n'est-ce pas? Pourquoi les femmes n'ont pas le droit? Eh bien, les femmes n'ont pas le droit. Oui. Les femmes n'ont pas le droit. Nous allons commencer. Genèse 3, 16. Tes désirs se porteront, puisque tu as fait cela, hein, tes désirs, tu accoucheras avec peine, avec douleur, nanani, 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 et j'en passe. Tes désirs se porteront vers ton mari. Et il dominera sur toi. Tu ne domineras pas sur lui, c'est lui qui dominera sur toi. C'est-à-dire dans l'église de Jésus-Christ. Je ne parle pas pour le monde, je parle pour l'église. La femme ne sera jamais égale à l'homme, parce que l'homme est le chef de la femme. Dans le monde, la femme est l'homme, l'homme est la femme, l'homme est fatigué d'être homme, il devient femme, femme est fatiguée d'être femme, il devient homme. Ça, c'est dans le monde. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est leur vie, c'est leur problème, ça, c'est pas mon problème. Mais dans l'église de Jésus-Christ, cette démagogie démoniaque-là n'existe pas. Maintenant, dans 1 Timothée 2, le verset 13, 14, donne la raison pour laquelle la femme n'a pas le droit. Comme dit dans le verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Parce que quand la femme se met debout, elle prend de l'autorité. Quand elle prend la parole, elle prend de l'autorité. Donc elle n'a pas le droit de prendre l'autorité au milieu de l'assemblée, au cours de service, sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite. C'est rendu coupable de transgression. Ce n'est pas l'homme qu'on avait séduit, c'est la femme. Ce n'est pas la femme le premier, c'est l'homme. Donc, elle n'a pas le droit de prendre l'autorité sur l'homme. Donc, c'est pour cela quand des gens me disent, mais... que oui, est-ce que la Bible condamne qu'une femme soit pasteur? Je leur dis, on ne va pas regarder si une femme peut être pasteur. Ce niveau est trop haut. Restons tout simplement, est-ce qu'elle peut parler dans l'assemblée? Est-ce qu'elle peut questionner les enseignants dans l'assemblée? Est-ce que celui qui enseigne à la femme peut l'interrompre pour poser une question? Si la Bible le permet, on va voir est-ce qu'elle peut être pasteur. Mais si la Bible ne le permet pas, elle n'a même pas le droit de parler, elle n'a pas le droit de questionner quelqu'un dans l'assemblée, elle doit interroger son mari à la maison, pourquoi je vais regarder avec toi si elle peut être pasteur? Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas répondre est-ce qu'elle peut parler, est-ce qu'elle peut poser des questions. Alors moi, je vais vous répondre si elle peut être pasteur. Il faut me répondre ça d'abord, et puis ensuite, on va voir. On va voir ensuite. Ok, non. Nous arrêtons ici. Nous continuerons prochainement. Alors disons, nous continuerons dimanche, selon la nomination des païens. Et nous continuerons là où nous sommes arrêtés. Nous sommes arrêtés dans le verset 26 de Deutéronome 14. Nous étions en train de vérifier est-ce que la dîme était de l'argent, est-ce qu'on pouvait donner de l'argent à la place de la dîme. Et nous avons vu qu'on ne pouvait pas donner de l'argent à la place de la dîme. Parce que la dîme n'est pas l'argent, l'argent n'est pas la dîme. Et la dîme, on devait manger ça. Donc, nous avons vu ça. Et nous avons vu que Malachi 3, le verset 10, n'a jamais dit qu'il fallait apporter un dixième de son salaire ou de ses revenus chaque mois. Ça n'existe pas, ce n'est pas biblique. Donc, les pasteurs traditionnels, ce sont des faux pasteurs
ils ont menti. Ils ont menti dans le but d'égorger, d'escroquer les bien-aimés. Et c'est pour cela que les yeux de notre frère bien-aimé Samuel et son épouse ont été ouverts. Et plus jamais, ces escrocs ne vont abuser, égorger, appauvrir les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu n'écouteront plus jamais la voix de ces vautours. La voix de ces vautours. La voix de ces loups. Jamais. Incroyable. Mais ils écouteront désormais la voix du bon berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ par sa parole toute puissante. Amen. S'il y a des questions, je répondrai à quelques questions avant de mettre fin. Alors, il y avait une bien-aimée qui avait posé une question sur Facebook. Elle disait quoi? Voyons voir. Elle disait... C'était où? Alors, j'ai pas vu la question. J'ai vu qu'elle avait écrit. J'ai pas bien vu. Elle avait dit quoi? Bon, j'ai pas bien vu ce qu'elle avait dit. Alors, il y a un problème avec mes compatriotes. Alors, elle m'a dit... alors, je suis dans un dilemme dans le sens que quand je fais un enseignement, ou si, par exemple, ce sont des Haïtiens qui sont intéressés à connaître la vérité. Et... les autres nations qui parlent d'autres langues me demandent de il fallait le faire en français au moins. Et quand je c'est des gens qui parlent français, je le fais en français. Et mes compatriotes me disent mais il fallait le faire en créole. Donc dans ce sens, il vaut mieux que comment dire. Je vais essayer de voir comment je vais dispatcher tout ça pour permettre à ce que tout le monde soit bénéficiaire de tout ça. Donc, c'est très important. Y a-t-il une question? Alors, bien-aimé, sur Facebook, il m'a demandé si je pouvais le faire en créole. Aucun souci, on fera ça en créole. On fera ça en créole bientôt. On va essayer de le faire en créole. Bien que j'essaie dans chaque langue d'enseigner afin de permettre aux élus, là où ils se trouvent, de rentrer dans la bergerie, puisqu'ils sont destinés à entrer dans cette bergerie, d'entrer dans cette bergerie. Et toutes les personnes qui se trouvent dans ces églises traditionnelles, dans ces camps de concentration, sont équipées ces camps de concentration. Parce que, un, vous n'êtes pas baptisé dans ces camps de concentration, parce que ces baptêmes ne sont pas bons. Donc, vous devez d'abord reprendre votre baptême, ou plutôt vous faire baptiser convenablement selon le fondement des apôtres, selon la doctrine de Jésus-Christ, et ensuite pour marcher dans la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, avec le baptême trinitaire, que vous avez reçu, vous ne pouvez pas être sauvé puisque vos péchés ne sont pas pardonnés. Donc vous devez être baptisé dans le vrai baptême biblique, c'est-à-dire le baptême apostolique, convenablement, bien détaillé, révélé aux apôtres, pour que vous puissiez avoir vos péchés pardonnés, ensuite pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vos péchés ne sont pas pardonnés parce que vous n'êtes pas baptisé comme les disciples et les apôtres avaient fait. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Laissez-moi regarder sur YouTube s'il y en a des questions. Et... oui, j'aurais une question, moi. Allez-y. Tout à l'heure, toi, tu as quatre blocs. On y va. Vous avez dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le nom du Saint-Esprit et du Père? Parce que, on nous le dit à chaque fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on ne le connaît pas, en fait. Je pense qu'eux ne le connaissent pas non plus. Alors, je crois que je dois retourner sur cet enseignement. D'accord. En français pour les bien-aimés. Bien que j'ai des enseignements là-dessus déjà. Peut-être que je vais faire en sorte de te transférer ces enseignements. Bien que cela ne me dérangera pas de retourner là-dessus et de permettre de renouveler pour les bien-aimés. Parce qu'à chaque fois, il y a d'autres connaissances qui ajoutent sur ce qu'on avait déjà, sur un point que Dieu nous avait donné par révélation, ça grandit. Donc, il n'y aura pas de souci, on va revenir là-dessus. On ne peut pas prendre tout ensemble, sinon ça va, tout d'ensemble, ça va bien. On peut un petit peu de chaque point, puisque nous allons toucher chaque point séparément.
Et vous allez voir que les églises traditionnelles ne font pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas Dieu qu'ils servent, c'est leur ventre. Comme disait l'apôtre dans Philippiens 3, verset 17, 18, 19. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Ces gens servent, ils servent leur ventre parce que c'est de l'argent. Ils pensent qu'à l'argent, c'est tout. L'argent, toute la journée, toute la nuit, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Donc, vous n'êtes pas baptisé, vous devez reprendre vos baptêmes. Parce que le baptême, comme les églises traditionnelles font là, ce n'est pas ce que dit la Bible. Donc, pensez à reprendre vos baptêmes. Alors, pour les bien-aimés qui attendent le baptême pour je parle des bien-aimés qui sont en France. Pour les bien-aimés au Canada, aux États-Unis, Brésil. Et vous savez déjà comment nous avons planifié déjà. Et pour les bien-aimés en France, pour l'été, préparez-vous pour cet été-là qui arrive. Et il fera chaud. Donc, l'eau sera un peu... Et comment dire, il fera pas froid. Donc, l'eau sera... vraiment abordable. Donc, on ne va pas réchauffer l'eau, mais l'eau sera normale. Okay? On ne va pas vous baptiser dans une piscine gonflable réchauffée avec de l'eau réchauffée ou dans une pelle de tractopelle ou dans une baignoire parce que ce n'est pas biblique. Et si vous êtes baptisé dans une pelle de tractopelle, dans une baignoire ou dans une piscine avec de l'eau chauffée, vous n'êtes pas baptisé. Parce que les baptêmes des piscines, baignoires, pelles de tractopelle ne sont pas bibliques. C'est un baptême faux, ce n'est pas biblique. Et si l'eau est réchauffée encore, ce n'est pas biblique parce que l'eau ne doit pas être réchauffée. Donc, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas être baptisé par un pasteur théologien parce que c'est un faux pasteur. Vous ne pouvez pas être baptisé par quelqu'un qui n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ parce que s'il doit vous baptiser au nom de Jésus-Christ, il doit lui-même être baptisé au nom de Jésus-Christ d'abord. Donc, il ne peut pas vous donner ce qu'il n'a pas. Vous ne pouvez pas être baptisé par un homme qui n'a pas la révélation de la doctrine de Jésus-Christ. Et le texte a bien dit, Jean 16, 13, il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas une partie de la vérité, ce n'est pas un morceau de la vérité, mais c'est toute la vérité. Donc, s'il n'a pas la doctrine de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être baptisé par lui, parce que 2 Jean, verset 9 à 11 dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils, c'est-à-dire a l'Esprit et la parole de l'Esprit. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Si quelqu'un vient à vous, il n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Car quelqu'un qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Maintenant, analysons le verset, examinons ensemble. Si je n'ai pas le droit de recevoir quelqu'un qui n'a pas la doctrine de Jésus-Christ chez moi, je n'ai pas le droit de lui dire même salut, est-ce que je peux me laisser baptiser par cet homme-là? C'est à vous de répondre. Je ne suis pas responsable, à vous de faire le choix. Je n'ai pas le droit de le recevoir chez moi. Je n'ai pas le droit de lui dire salut parce qu'il n'a pas la doctrine de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que je peux me laisser baptiser par cet homme-là? À vous de répondre. Non. À vous de répondre. 2 Jean, le verset 9 à 11. À vous de répondre. OK? Et s'il y a d'autres questions, nous allons partir. Il y a d'autres questions? S'il y en a, nous allons prendre les autres questions ensuite. Nous prendrons congé de vous. Ok, nous saluons les ministres de l'Évangile qui sont dans le chat, qui nous suivent, République Dominicaine, Saint-Martin, en Haïti, et les bien-aimés aux États-Unis, Canada, Brésil, Chili, et Martinique, Guadeloupe, ici en France, en Allemagne, et salutations. Et je vous salue par un seul baiser d'affection, d'amour, de sagesse, de compréhension, de révélation au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ. Donc, soyez bénis, soyez bénis. Donc, je crois que c'est bon pour tout le monde. Merci. Il n'y a plus de questions. Merci pour l'enseignement. Amen. Gloire à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Amen. La dîme n'est pas de l'argent. La dîme ne sera jamais de l'argent. Et on ne donne pas un dixième de son salaire ou de ses revenus chaque mois à un pasteur. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas biblique. Ça n'existe pas. C'est faux. Il vous a menti.
Malachie 3:10 n'a rien dit de tel. C'est un menteur. Donc il faut fuir et ne jamais suivre ne suivez jamais un tel homme. C'est un faux homme de Dieu. C'est un discours. Il prêche pour son ventre et son bas-ventre. Ok? Soyez bénis. Soyez remplis de grâce et de miséricorde du Seigneur. Alors là où nous sommes arrêtés, c'est dans le verset 26 de Théonome 14. Donc, pendant le week-end, nous allons continuer là. Nous allons continuer là pendant le week-end. Et pour terminer sur ce chapitre de la dîme, pour que vous puissiez avoir tous les textes nécessaires que vous aurez besoin, et surtout les commentaires, les arguments qui ces gens apportent pour captiver la vérité, pour calmer la vérité captive, donc, pour garder la vérité captive. Donc, je vais vous apporter tout ça par la grâce de Dieu et vous saurez comment répondre et comment parler à ces hommes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez remplis de grâce et de miséricorde par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, je vous aime très fort et je suis condamné à vous aimer. Et j'aime quand je vous aime. Quand je vous aime, je me sens disciple. Et j'aime quand je suis disciple de Jésus-Christ parce que je vis et je fais ce que le Seigneur demande, tel qu'il l'a demandé. Jean 13, 34, 35. Soyez bénis, je vous aime. 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 Seigneur Dieu, merci infiniment pour ce moment. Merci pour nos bien-aimés frères et sœurs. Que ta grâce soit sur nous et qu'elle demeure éternellement jusqu'à ton retour au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Soyez bénis, bonne nuit à tout le monde. Je vous aime. On se voit prochainement. Vous aurez la notification. Bonne soirée à tout le monde. Amen. Amen. Merci. Bonne nuit à tout le monde. Amen. Bonne soirée, mon frère Samuel. Amen. Amen.